Kawaoyiko balanga, nasengi obalanga imalamu. Kaboyi lobiozwe langa iba raison, yakubo yanga mon amour. Kawaoyiko kwelanga, yamoye banga malamu. Naboyi lobyo kosi langa makambo ebele, ebele, tempo otikangai. Awa mwasi yoni mina libala, tazanga langa irita joyeba, ngalazanga langa vamwaye. Kitite, betote ya malunga. Est-ce que vous pouvez ce qui est le cas? Ce qui est le cas, c'est que vous avez une garantie. Vous avez une foute là, moi, bicoque ou maïté. Est-ce que vous pouvez ah, mon chéri, à ta osangie. Kiko boya yote se jusqu'à la mort. Je te jure. Yona linga iso kyo silikie. Nako bonela yo ki non tombo ikutana. Je te jure. Misala eko mimpasidi. Ata mai na kote kama, ata pusu na koku mama kolo pola yo adi sheri, aye. Misala iko mimpasidi, ata porto na koko mananga, ata sirer na kosire na sunga kayo e mwasi na aye aye. Aye. Tanga minute, asala ba kompis yanga diplomasi ya libala, doktora nanga ya kovanda malamu na libala. Nazali na mbongo mingite, kimbuni pepa unisheri na kobunda, bolingo basomba kate na mosolo, sheri fe le choix de ton cœur. Ah mon chéri, ata ozangi. Kiko boya yote se jusqu'à la mort. Je te jure. Ga mon chéri, soki osiliki. Nako bonela yo ki non tombo ikutana. Je te jure. Mingi baleka awa kasi motema etinanga kutute nalinga bango napona seyo chéri okoma wanga napona seyo buzu etosala foye naina yebaka te naina yebaka te. Que la raison, que la raison ne connaît pas. Mingi baleka awa kasi motema eboya bangwe. Mingi baleka awa kasi motema etinanga kutute nalinga bango. Napona seyo chéri okoma wanga. Napona seyo buzu ekosala foye naina yebaka te. Naina yebaka te. Mama
mama asemeki kayo na podi mobile nanga na lingie makamu na biso okotati. Science-fiction,
nalela yo mama na motema na na mon meilleur choix chérie je t'aime toi chérie âme jumelle à moi c'est toi nalela yo mini mon meilleur choix chérie pour de tout mon cœur âme jumelle à moi c'est toi nalela yo mini mon meilleur choix chérie ah mama benga Olivier Kamanzi hey. Alba sorcier Mundele François Babadia, Mère et Aziza Simplice et Bata, Colonel Benaya Didi, Kelo Kelo Inspecta Sandrine Mouchigo Nalela, huitième merveille Malka, Ndoya, Mama Monique Monique, Yaya, Fafa, Fanalia Baipous, Marco, Sisei, Poupa Les boss Ya Edomo, Patas Serge Tata Kibokolo, Bokila Lokondo, Maître Guilwando, Papa Jean-Marie Lokanga, Madame Caroline Ngushinge, Orphée Timbadi l'avocat, et le Don King d'Afrique, Jean-Marie Lukulasi et Yadema, Docteur Sacha Trondé Giga, Eric Gwenye Mobali, j'y reste là à Abidjan. Honorable Yaya Fafa Fanalia Baipous Marco Sisei Poupa Les boss Ya Edomo Patas Serge Tata Kibokolo Bokila Lokondo Maître Guilwando Papa Jean-Marie Lokanga Madame Caroline Ngushinge Orphée Timbadi l'avocat Et le Don King d'Afrique Jean-Marie Lukulasi et Yadema Sacha Trondé Giga Eric Gwenye Mobali J'y reste là à Abidjan Honorable Alita Chamala Ah maman Ah maman Voilà maman En désordre Cisco Moulongo Bernard Tapie Nous sommes ici chez Elite Shipping Fret. Nous faisons de l'aérien. Nous envoyons vos colis en temps et en heure pour toutes les personnes qui ont douté. Botine Naraba Koli Nabino et Komakate. Je vous dis que ici, c'est pas là-bas. Batata na ba mama beno wanita la ga boma na ko filisa ba bima na boala benke na ba famille na boala benke zo la filisa ba koli benke zo la filisa ba bima sam na construction ya ba inzo une seule adresse un seul lieu que je vous conseille aujourd'hui plus besoin d'hésiter venez ici chez Elite Shipping Fret pour tous vos envois de vos colis. La seule devise de cette boîte, votre satisfaction est leur priorité. Bien. Alors, votre cérémonie va se passer en deux temps. La première partie, c'est chez le père. La deuxième partie, chez le côté maternel, donc la mère. Alors, vous savez très bien que le temps passe vite. La cérémonie était prévue pour 14 heures. Et je ne sais pas, comme c'est devenu d'habitude, toujours le retard. Moi j'étais là depuis, comme je suis venu avec personne, donc je suis parti à Aldi m'asseoir là. Donc, comme les femmes qui préparent, je les ai dit, bon moi je veux goûter, je n'est pas encore prêt. Donc du coup j'étais reparti pour revenir, vous n'étiez pas encore là. Oui, 14h, moi j'étais à 13h ici, 13h ici. Je suis parti de Montgeron pour venir ici, parce que je me suis dit 14h. Donc voilà, c'était par paramètre. Alors, chez nous, le mariage coutumé se faisait en langue, dans notre langue maternelle et paternelle, pour la transmission, parce qu'il y a des mots qui sont codés, qui se disent en Congo. Hein? Maintenant, on va faire un peu le deux, on peut passer par le français, deux petites phrases. Maintenant, si vous ne comprenez pas, vous nous suivez après. Parce que c'est comme ça, c'est codé. Et la tradition qu'on fait ce soir, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Nos aïeux ont fait ça parce que c'était pour protéger les enfants et la famille.
Parce que ce n'était pas les enfants qui se mariaient, car en fait, chez nous, c'était les familles qui se mariaient. Donc, c'est pour cela qu'on appelle mariage traditionnel. Ici, quand tu vas à la mairie, mariage, qu'est-ce que vous dites, mariage? Mariage quoi? Mariage civil et officier. Et là, c'est pour les biens. Pour les biens, les maisons, les voitures, c'est notre demeure. Oh, moi, je veux prendre ça, moi, je fais ça. Or que celle que nous faisons, là, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est la famille, la base. Construit sur du béton, pas sur du sable mouvant. Alors, moi je m'appelle M. Fouetolo Isidore Serge. M. Fouet, qui caresse le cœur, pas le fouet qui chicote le corps, qui caresse le cœur. Parce que là nous parlons d'amour. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en passant, il fallait commencer par la prière. Or, on ne peut pas faire la prière sans connaître le motif. Pour faire la prière, il faut connaître pourquoi on prie. On va prier pourquoi? On va dire quoi à Dieu? On est venu que dans la salle pour manger. Non, il faut connaître d'abord le paramètre. Vous connaissez les définitions. En ce moment-là, on peut faire la prière. Donc, je vais prier ça. Ça, mon amant, il m'a poué là. Il m'a poué là. Parce que ça a la table la plus profonde. Maintenant, je vais vous poser encore la question. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous êtes venu pourquoi? Vous nous dites le motif de votre venue. Je suppose qu'ici, si c'était au bled, on avait nos parcelles, on a de l'espace. Hein? Si vous au bled, on a de l'espace, on est bien. Donc, vous nous dites le pourquoi vous êtes venu. Et en ce moment-là, je vais vous répondre. Merci. Comme ça. Ça veut dire respect. Merci. Bien. Papa Serge, avant que je ne réponde à la question que tu venais donc de me poser, je vais pouvoir me présenter. Moi, je suis le représentant de la famille Chikaro. Et mon nom de famille suit bien. C'est Kalit Laurent Di Bachi Hyacinthe Jacques. Mon nom de combat, dans pareilles circonstances, on n'aura pas le combat, mais on aura le moment d'échange. Lisindiam, comme vous pouvez voir. Je vais te dire dans ma langue maternelle. Lisindiam, vois le mion, vois le mabine. Voix le miongo, voix le mabine. C'est-à-dire, neuf montagnes, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, jusqu'à neuf. Maintenant, dixième, je ne te donne pas la réponse. Bref. Pourquoi je suis venu ici? Je considère que ce lieu où nous sommes, certes, c'est une salle parce que nous sommes en Europe. Mon frère Serge venait bien de me dire tout à l'heure que nous, c'est une tradition qui se perpétue. Là où je suis, je considère que je suis dans la maison paternelle de celle qu'on est venu chercher. Donc vous m'avez reçu dans votre maison et je ne peux que dire merci. Et je ne veux pas m'accrocher sur ce que tu venais de dire tout à l'heure. Moi, je te tutoie parce que nous voulons former une famille. Nous voulons former une famille. Vous, derrière vous, c'est deux familles parce qu'il y a la famille de maman et de papa du côté de la fille. Et du côté aussi, moi aussi, de mon neveu, il y a la famille de papa et la famille de maman. Donc, nous avons quatre familles qui vont pouvoir s'unir à cause de deux personnes qui se sont rencontrées un jour par un bonjour ou bien par l'échange seulement de numéros de téléphone. Donc, nous sommes arrivés là aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que je suis obligé de tutoyer pour qu'on puisse faire, qu'on puisse déjà casser déjà ces barrières-là. Nous étions là il y a longtemps. On attendait jusqu'à ce que... On a vu certains venir, ainsi de suite, mais
le plus important pour nous, c'est qu'on puisse essayer d'urger des choses. Comme venait de dire Serge, que chez nous, le mariage, c'est quelque chose qui se passe toujours la journée. C'est pour cela que, s'il n'y a pas de souci, eh bien, tel que nous sommes là, c'est nous qui venons vers toi. Et nous pouvons que venir là. Eh bien, pourquoi nous sommes venus ici? Nous sommes venus ici là, ce n'est pas pour venir danser seulement. Nous ne sommes pas venus ici là, c'est parce qu'il nous a manqué un lieu pour pouvoir y être. Nous sommes venus ici. Comment tu regardes? Dans le quartier, il y a beaucoup de maisons. Mais nous, on a choisi ce numéro-là. Ici, c'est le 17. On aurait dû rentrer au 19. On aurait dû peut-être rentrer même déjà depuis le 1 là-bas. Rentrer, peut-être on serait ici, le bon serait peut-être reçu. Mais ce n'était pas là-bas où on était attendu, nous. Nous, là où on était attendu, c'était de venir ici, chez vous. C'est pourquoi donc nous sommes là. Nous sommes venus, plus précisément. C'est parce que j'ai mon petit neveu. Comme il aime jouer son petit ballon, et voilà qu'un jour, le ballon est parti tomber dans ta maison. C'est qu'on a dit, oh, mais c'est ton ballon. Et à partir de ce moment-là, il a pu rencontrer une jeune fille qui se trouve dans ta maison. Et c'est cette jeune fille-là, en principe, tous les deux dans leur causerie. Cela a duré un peu de mois, ça a duré beaucoup de temps pour qu'on arrive jusque-là. En milieu, on dit ceci. Mais tout le cycle à quand on voit qu'on sait tout, le bat, on voit dans le couloir, on voit le bain. C'est-à-dire, à Bobat, le tam-tam, dans la forêt, cela finira par s'entendre au village. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, ils ont commencé à s'échanger des textos, des WhatsApp, ainsi de suite. À un moment donné, même deux fois, moi, ma soeur me disait, oh, mais ton neveu là, vraiment, des fois toute la nuit, il ne dort pas. Il est toujours là en train d'échanger, d'envoyer des TikTok, des petits messages sur WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout ce qu'ils étaient en train de faire dans l'ombre, aujourd'hui là, je crois bien qu'on va se savoir. Donc, à vos pattes, le tam-tam dans la forêt finira par s'entendre au village. Et voilà, ce tam-tam qu'ils étaient en train de battre, nous, nos deux enfants, a fini par s'entendre. Et vous m'avez ouvert la porte, c'est pourquoi je suis venu. Parce que, ben, se battre, tu tises. Kanyamanko. Bien, merci. Merci. Vous êtes venu, vous avez bien dit, vous êtes venu. Oui. Le ballon est tombé. Oui. Il est tombé où? Dans la parcelle. Oui. Mais ici, là, vous voyez, il y a encore qui, hein, qui viendront encore. Il y a beaucoup de filles. Il faudrait nous désigner un parmi ces filles-là. Vous donner le nom ou le prénom parce que j'en ai beaucoup. Parce que je ne peux pas vous montrer. Parce que si j'ai des belles là, là, donc la cérémonie va encore tarder. Donc vous nous donnez le nom. En ce moment-là, je veux vous répondre. Eh bien, mon frère Serge, je ne vais pas aller loin. Tu vois, quand on a une maladie, qu'on appelle la maladie d'amour, on ne peut que tomber. Et c'est même un très joli prénom. C'est Déborah. Déborah Nkassa. Ah. C'est pour cela que je suis venu. Je n'ai pas autre chose. C'est cette pièce-là que je cherche. Nkassa. Ah. Merci, merci. Moi, mon nom de scène, on m'appelle système. Il y en a qui m'appellent Dieu, le Seigneur. Moi. Alors, ici, Dieu m'a montré la fille que vous cherchez, elle n'est pas là. Il y a longtemps qu'elle a disparu. Elle n'est pas là. Parce que je crois que parmi les membres de la famille, vous devrez la connaître. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez là? Non.
êtes sûr qu'il y a longtemps qu'elle n'est plus là. Vous venez le chercher ici chez nous. Tu es venu chez le père. Tu es venu pour notre fille. Omer n'est pas là. Comment peux-tu faire pour qu'elle soit là? C'est le problème maintenant. Parce que moi je ne la vois plus. Il y a longtemps que je ne la vois plus. Vous allez même remarquer tout à l'heure, si elle est là, vous allez remarquer que elle aura un peu de doute. Est-ce que c'est tonton? Est-ce que c'est lui-même? Tout à l'heure, quand je suis venu pour garer pour une deuxième fois, il y a l'un de membres, il m'a dit, ah, toi, il ne faut pas garer ici, il faut que tu gardes pour. Mon jeune frère, il est là. Il dit, oh, toi, il me dit, attention, moi, je l'ouvre, sinon je vais te. Hein? Alors, bon, prouve-moi que tu es venu pour lui, comme tu es venu chez le père. Aujourd'hui, nous, on ne vend personne. Vous aussi, vous n'achetez personne. On ne vend pas. Ici, ce n'est que des dialectes. C'est des codes qu'on va régler ici. On ne va pas régler nos comptes maintenant, on va régler nos comptes. Or, de votre côté, vous êtes faible. Or, moi ici, je suis juge, avocat, huissier de justice. J'ai beaucoup de casquettes. Donc, je vais vous presser pour que vous me donniez ce que je vous ai demandé. Mais en vous pressant, mais c'est pour que ça soit bien. Donc, prouve-moi que ma fille n'est pas là, que tu es venu pour elle. En ce moment-là, on va continuer. Vous savez, moi je me disais, prouve-moi, tu me dis, j'ai le numéro pour que je sache que c'est bien le 17 là où se trouve Déborah. Je ne pouvais pas le savoir sans qu'elle me le dise. Et d'autre part, si mon neveu s'est intéressé à Déborah, c'est que quelque part, vous avez fait un grand travail. Vous avez fait un grand travail comme ma soeur en a fait pour mon neveu. Et que par rapport à cela, il n'y a pas raison que tu puisses me recevoir, papa Serge, dans ta maison et que ta fille n'y soit pas. Et que toi, tu me le dises, toi qui es père, que ma fille n'est pas là. J'aurais peut-être dû entendre que, comme elle n'a pas l'habitude de voir beaucoup de gens venir, alors elle est partie se cacher dans l'une des chambres, peut-être chez ses petites sœurs ou dans la chambre là où se trouvent les plus jeunes. Là, j'entendrais. Mais me dire qu'elle n'est pas dans la maison alors que je viens dans la maison du père, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Moi, je ne veux pas qu'il y ait problème. C'est pour cela que je suis sûr et certain que papa Serge, que Déborah a été bien éduquée. Ça, elle a reçu, comme mon neveu aussi. Et c'est pour cela qu'ils ont jugé de marcher ensemble, de suivre même nos principes de vie, en étant comme vous. N'oublie pas que toi et moi, on vient d'un royaume. À côté, il y a aussi le royaume Guango, actuellement. Donc, en cette matière d'éducation traditionnelle, je ne veux pas l'entendre comme j'aurais dû peut-être l'entendre ailleurs. Je suis sûr et certain que ce que tu venais de me dire là, comme disent les jeunes, c'est du buzz. Que ta fille ne soit pas là dans la maison. Elle est bien là. Et pour te dire que c'est très bien, comme le disent nos traditions, tu veux bien que je te donne la preuve que oui, donne-moi la preuve que toi tu es venu là. Mais moi je suis prêt à te donner la preuve que je suis venu pour Déborah. Mais comme nous sommes assis au salon, comment veux-tu que
je puisse mettre là, par terre, même si ça a été bien nettoyé, que je prenne ce que j'ai emmené et que je mette directement par terre. Je ne pourrais pas le mettre. J'aurais peut-être bien voulu avoir une natte et à ce moment-là, je me permettrais de dire, mais comme on fait chez moi, je sais que il faut d'abord que j'aille toquer chez le père, je finis avec le père et ensuite le père me montrera où se trouve la maman. Et à partir de ce moment-là, je finirai aussi vers la maman. Et les choses seraient faites. Voilà un peu là où je... Comment j'ai entendu moi cela. C'est pour cela que si tu me mets une natte ou un pan ou quelque chose comme ça, je te dis que je vais m'empresser vite de t'emmener tout ce que j'ai apporté, mon cher frère Serge. Je vais pouvoir, pour pouvoir terminer, vous nous excusez parce qu'il y a le temps qui est en train de courir, car personne d'entre nous ici n'est maître pour pouvoir faire, pour éviter que le soleil ne fasse pas son lit, c'est-à-dire pour éviter que la nuit ne tombe pas. C'est pour cela que, comme on dit en Lari, Katasani Mboma, Katasakwam Kamili Pirita, Katasakwam Pirita, Pirita, Katasa, Oh. Mais c'est très simple. Depuis tout à l'heure, c'était très simple. C'est quoi le problème? C'était juste pour, c'était une question et réponse. Salim, dans les familles, que ça soit au nord, au sud, les royaumes, il n'y en avait que trois chez nous, il n'y en avait que trois. Chez les Vili, chez les Congo et chez les Teke. Il y a que ces trois royaumes. Sinon, les autres, c'est des cafouillages. Bon, maintenant, en ce qui concerne la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'était juste pour vous demander. Parce qu'on avait écrit, vous avez écrit, nous on a répondu. Mais quand on vient chez le père, le géniteur, vous dites que c'est bien vous, puisque vous avez déjà donné le nom. La question est très simple. Même quand on nous invite là ce soir, les gens viendront tout à l'heure. À la fin, il y aura toujours une période où on va parler des cadeaux. Quand on vient chez le père, quand on rentre dans la maison, quand on arrive, si on veut rentrer dans la maison, bien que vous avez dit que vous êtes au salon, avant d'aller au salon, il faut toquer. C'est pas ça? Hein? Quand on arrive, quand on est étranger, on doit toquer. Dès que vous toquez, on dit oui, qui est là? Ah, c'est oui, voilà. Ah, c'est moi. Vous donnez le nom et puis on sait que c'est vous. Après, vous rentrez. Donc, moi, j'attends l'entrée. Vous mettez l'entrée. La natte viendra parce que c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. La natte, c'est quelque part, mais ça va venir. C'est la première question, vous m'avez déplacé, j'étais parti pour ça. La natte va venir. Ça, c'est pas un problème, c'était prévu. Sauf qu'avec les gens, eux, ils ne vivent pas sur Paris, ils vivent en province, ils viennent ici. Donc, c'est un peu ça. La natte va venir. Donc, vous dites, eh bien, écoutez, on est venu, voilà ce qu'on a porté. Normalement, avant tout ça, Toujours, on te demande, mais toujours ce petit geste-là. On dit que c'est moi qu'on attend, et voilà ça. Et puis après, on fait le viri, on ne fait pas le boma. Donc c'est comme ça. Parce que si on fait le boma, c'est compliqué. Donc c'est comme ça. Donc on doit faire un piton, pas grand, le petit. En ce moment-là, ça va aller vite. Présentez-nous quelque chose qui prouve que c'est vous qu'on attendait par rapport à cette liste qu'on a reçue et par rapport à tout ce qu'on avait dit, l'échange et tout. D'abord, ça, le suivi de cette lettre. Vous venez chez le père quand on rentre. Coco, oui. C'est qui? Ah, c'est moi, c'est monsieur Système. Ah, je suis arrivé, oui. Ah, mais longtemps, ah, voilà, bon, rentre. Voilà. En ce moment-là, dès que tu poses quelque chose et puis on enchaîne, ça va aller vite même. Ça va aller très très vite. Le suivi de la lettre, c'est ça. Ça. Donc, ça, dès que tu mets quelque chose là, on enchaîne. Merci. Papa, c'est l'heure, hein? Katasandi, Mboma, Tasakwampi. Voilà. Hein? Et puis d'autre part, cette tradition de pouvoir d'écriture nous emmène deux fois facilement dans l'erreur. Est-ce que tu vois? Parce que là où étaient nos ancêtres, on ne faisait pas du courrier, on n'écrivait pas des lettres. Je dois me renseigner tout simplement. Comment ça se passe chez vous? Et à partir de ce moment-là, je prends tous les renseignements
et quand je viens, je m'étale. Mais la tradition de l'écriture, deux fois, nous emmène dans l'erreur. Papa Serge, regarde ton papy. Voilà. Donc maintenant, prends le papier chez la maman. Tu verras ce que tu écris. J'ai vu. Tu as vu? Donc c'est chez la maman que ça a été dit. Ce que toi tu es en train de dire. Je sais pourquoi je le fais. Voilà. Donc c'est pour cela que moi je me dis, faut-il que... Donc je vais prendre un chapitre de la maman que je te mette ça devant. Oui. Voilà, c'est tout. Parce que moi, si ce n'était pas mis, moi je suis l'ordre, l'ordonnance du papa, l'ordonnance de la maman. Vous avez suivi les autres? Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est-à-dire que, en principe, on arrive à la porte, on toque à la porte. Et ensuite, une fois qu'on a toqué donc à la porte, quand on vous reçoit, eh bien, vous donnez un présent qui vous permet de pouvoir rentrer dans la maison. En Lari, on dit Kotoronzo. Donc, mais son Kotoronzo, dans la rédaction du papier, des lettres, puisqu'on a voulu se conformer à l'écriture, eh bien, on n'a pas mis ça dans la liste du côté paternel. Donc, d'où, lorsque mon frère Serge est en train d'aller chercher à prendre quelque chose qui va venir en deuxième phase, c'est pour cela que moi, je résiste un tout petit peu, je le sais. On attend là. Donc, comme niveau Lina, écoute, moi, je vais prendre ce chapitre-là, je le mets devant. D'accord, je vais vous expliquer, s'il te plaît. Vous pouvez vous asseoir. Deux petites minutes pour que les gens comprennent. Voilà. Bien, merci. Vous savez, il y a un problème. Le problème est que, quand tu as un enfant, ou une fille qui veut se marier, ou un homme qui va aller se marier, il faut poser toujours la question. Il ne faut jamais faire avant. Ce qui est demandé du côté maternel, parce que les deux personnes sont là. Et ça se passe le même jour et dans la même salle. Ça veut dire l'entrée, c'est chez le père. Parce que c'est le père qui présente le beau-fils à la belle famille, dit « Ah, maman, moi j'ai pris. » Mais sauf que dans les rédactions des listes, et bien comme ça se passe le même jour, il faut commencer par là. C'est le chapitre de maman, c'est vrai, mais c'était le chapitre de papa. Parce que je lui ai dit, j'ai dit au père, je lui ai dit non, ce chapitre-là, tu l'as pas, mais c'est ce chapitre-là, on doit commencer par ce chapitre. Parce que moi, je ne veux pas aller faire quelque chose que je ne connais pas. Je dois faire comme je connais, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé par ce chapitre-là. Depuis tout à l'heure, quand on tournait, ce n'est que ça. Oui, mais donc, si ça, c'est bon, on enchaîne, et la partie du milieu, après, bon, ce sera la phase. Parce que chez maman, il n'y a que la boisson qui accompagne la dot. Mm-hmm. Ça va vite. Dès qu'on va commencer là, ça va vite, très très vite. Bon, allez, on va vite. Donc, ça dit que... Après, tu en cherches pas. Voilà. C'est tout. Ça, j'aurais compris. Tape tes mains, comme ça, je prends la parole. Attends, maman, attends. C'est bon. Voilà. Veux que les choses puissent se passer normalement, c'est-à-dire tout le monde top. Mais lorsqu'on apprend la lettre, eh bien, ça pose un peu problème. C'est pour cela que, papa, tu me donnes quelques minutes tout simplement pour pouvoir arriver. D'accord? Mais je voudrais quand même avoir mon élément ici. La natte va venir. La natte va venir. J'ai déjà acheté et la main va dans le secteur. Ça va mal. Donc on aura un bail. On aura un bail pour mettre la main. On va mettre le bail. Bien, bref. Bien, merci. J'arrive, papa. Oui, mon maman. Bien. Papa Serge. Top. Il y a des gens dans la maison là qui peuvent nous recevoir? Oui. Ah, on est là. Oui. Voilà. Papa Serge. Voilà. Je viens chez toi, c'est bien pour ceci. Ah, et tu connais déjà pourquoi c'est. Attends. Laisse-le. Voilà. Donc ça c'est vrai, ça c'est fait, si on a fait le Kotoronzo. Merci. Donc et comme là, tu peux nous faire asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Ce moment-là. La bouteille de champagne qu'on vient de me donner. Parce qu'il faut que vous voyez. Hein. C'est vrai, il a le temps.
de venir parfois de temps en temps voir le beau-père. Mais quand tu viens voir le beau-père, aujourd'hui avec témoin, ça change. Ça change. Pourquoi ça change? Parce que ça, c'est pas que parce que le père a demandé ça parce qu'il a besoin de ça, non. Non, c'est symbolique. Parce que lui, il s'appelle le reste là. Lui, on peut le garder pendant 100 ans. Parce que les membres de famille, il y en a qui ne seront pas là peut-être aujourd'hui, mais qui viendront peut-être plus tard. Donc obligatoirement, celui-là, il reste, ça reste symbolique. C'est symbolique. Mais nous, on ne vend personne. Parce que c'est un cadeau. Voilà. Parce que ça vous donne le droit de rentrer chez le Père. Là, le Père sait que c'est vous qui l'attendez. Voilà. Donc, il lui a bien répondu. Donc, vas-y, papa. Continue. Bon. Papa Serge, je te remercie de m'avoir accueilli dans ta maison. Vraiment, si tu savais combien de temps j'ai passé pour arriver, si tu peux même avoir une petite goutte d'eau à boire, ce serait intéressant pour moi de continuer à parler avec toi. Parce que là, j'ai vraiment la gorge qui est complètement sèche. Vraiment, pour arriver jusqu'ici, il n'y a que des montagnes, il n'y a que des vallées. Vraiment, si je peux avoir un peu d'eau, et comme ça, je pourrais continuer. Voilà. Si je peux avoir un peu d'eau vraiment à boire, ce serait intéressant. Vraiment, je suis obligé de demander de l'eau parce que j'ai tellement soif. Ce n'est que normal, quand on recevait toujours, quand on reçoit toujours dans la famille, surtout que c'est un jour de mariage, on fait fondre que de tam-tam, parce que ça annonçait toujours la nouvelle, une bonne nouvelle. Alors, on ne pourrait jamais vous donner d'abord la vieille, si on vous donne la vieille chose, vous allez commencer déjà à lire les mots qui ne seront pas bien, l'eau va venir, je souhaiterais que vous avancez pour gagner du temps. L'eau va venir, on est allé chercher de l'eau. Tout à l'heure, je vous avais écrit et que par rapport à cela, comme le veut notre tradition, je fais le suivi donc de cette lettre. Même si vous m'avez déjà répondu, mais je fais le suivi donc de cette lettre. Voilà. Donc, la lettre que j'avais eu à écrire. Ce n'est pas seulement une lettre, mais cette lettre-là devait mériter quand même quelque chose, comme demande dans notre tradition. C'est pour cela que je t'emmène ici, pour la lettre. Le suivi de la lettre. Merci. Je souhaiterais que vous en chiez. D'accord. Et ensuite, outre le suivi, donc, pour vous remercier aussi de m'avoir répondu de façon exhaustive, c'est ce qui m'a permis de pouvoir me préparer dans cette grande bataille. Parce que faire une union, un mariage traditionnel, ce n'est pas une chose facile. Parce qu'il faut se préparer. Et je pense bien que la date d'aujourd'hui était bien la date pour laquelle nous sommes convenus. C'est pour cela que pour la réponse que vous m'avez donnée, je vous présente ce processus. Voilà. Bien. Ce que vous voyez là, ce n'est que des symboles. Les boissons que vous voyez là, ce n'est que des symboles. Ce n'est pas parce qu'on veut vous tourner dans. Témoigner, ça va nous voir pourquoi. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je vous dis donc, bienvenue dans la famille. En ce moment-là. On sait de quoi on doit parler et de quoi on va prier. Donc là, on peut faire la prière. Donc là, on parle de l'union. Ça symbolise l'union. Et comme c'est une union des quatre familles qui se marient ce soir, donc on va faire une prière. Et puis après, donc vous avez le temps de lire cette écriture. Cette Bible, en ce moment-là, c'est vous qui enchaînez. Parce que suffit de lire la Bible. Comme c'est des paramètres qui sont bien détaillés, ça va aller.
vite. Et en ce moment-là, parce qu'il y en a aussi qui ont faim, hein, on ne voit pas, on va se fatiguer. Donc, on vous dit donc merci. Donc, dans la salle, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous amener à faire au moins une prière de 4-5 phrases, des mots gentils, surtout des mots gentils, pas des mots à un. En ce moment-là, ça serait bien. Qui m'accompagne toujours, il est partout, que je sois à Rouen, que je sois partout, il est toujours là avec moi. Voilà, donc c'est lui qui va pouvoir nous conduire, de nous présenter ce moment à l'Éternel, notre Dieu qui nous a créé. Merci. Je dis bonjour. Il n'y a pas de micro, mais je vais parler. J'ai une voix qui tombe, ça va aller. Je vais me présenter, Freddy Richard Tikambou, serviteur de l'Éternel. Je suis l'oncle de Yves Sina. Voilà. Nous allons confier ce moment à Dieu et lui dire merci parce qu'il a permis quand même que nous puissions nous retrouver. Ce n'est pas un hasard. Il y a d'autres qui n'ont pas pu même peut-être se lever ce matin. Et concernant la dot, j'aimerais rajouter quelque chose de très important. Une chose très, 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 très importante. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui sur la dot, ça a été fait aussi dans l'Ancien Testament, dans Genèse. La Bible disait que Abraham apporta des présents à la famille de Rebecca, la femme de son fils Isaac. Il se passe beaucoup de choses pendant la dot. C'est ça même le vrai mariage. L'Église ne marie pas les gens. L'Église, on appelle ça la bénédiction nuptiale. Mais là, ce que mon grand frère le Denis vient de dire, c'est très important. C'est pour ça que nous allons prier, dire merci au Seigneur et lui confier ce moment qu'il soit au contrôle de tout cet accord avec moi dans la prière. Dieu de gloire, Créateur des cieux et la terre, nous venons avec un cœur reconnaissant te dire merci. Je prie, Père, que tu agrées l'expression de notre gratitude en ces instants. Merci parce que tu nous as permis de nous retrouver en ce lieu. Pour une cause, ta parole déclare que le mariage est honoré de tous. Nous sommes là pour honorer Yves Simon et Déborah. Père, nous voulons confier ce moment entre tes mains. Nous voulons confier les onzis entre tes mains, car tu as donné à chacun de nous un don bien particulier. Je prie, Père, pendant ces moments que le ciel s'ouvre, que nous célébrons ces moments avec toi et les anges. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui va se dire, se faire en ce lieu, nous le soumettons à ton autorité. Et je prie que ton règne vienne en ce lieu et que ta volonté soit faite en ce lieu comme au ciel. Merci pour les cœurs de joie. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as programmé. Merci encore, Père, pour le sang de Christ qui a coulé à la croix pour chacun de nous. J'entoure ce lieu d'un mur de feu. Je couvre ce lieu du sang de l'agneau. Et je déclare que nous prenons possession de ce lieu. Et que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie soit ôté de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame ta seigneurie en ce lieu. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Nous avons commencé avec toi, nous allons terminer avec toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Nous avons prié d'un commun accord et nous disons Amen. Amen. Bien. C'est ça qu'on appelle prier. C'est ça qu'on appelle prier. Parce que nous tous ici, on est des pécheurs. Et puis, c'est une bénédiction déjà pour venir doter notre fille. C'est une bénédiction. Parce que parmi nous ici aussi, il y en a qui cherchent, qui n'ont pas encore trouvé. Ils ont des enfants et tout.
Mais le monsieur ou la femme ne réagit pas. Donc, pour que vous aussi vous ayez cette chance-là aujourd'hui, changez les habitudes. Changez les habitudes. Copiez les bonnes choses. Le respect, il n'y a que deux mots magiques dans la vie. Pardon et merci. Si vous faites ça, vous allez remarquer que votre vie sera bien. Il y aura beaucoup de mystères qui vont se faire. Vous n'allez pas comprendre. Parfois, tu vas loin, tu vas chercher loin. Alors que la personne qui est là, qui Dieu a prévu pour vous, elle est à côté. Vous sautez, vous allez loin pour chercher. Après, on vous dit, oh, vous êtes venu ici. Mais la personne que vous cherchez, vous l'avez laissé là-bas, Dieu. Mais c'est lui qui me soigne. Donc, ce soir, c'est ce que nous, on va faire. On va unir nos enfants. On va leur donner des conseils et puis on va continuer à les encadrer. Pourquoi? Parce que je félicite déjà ce jeune homme, parce que lui, c'est lui. Parce que avec ce courage, je dis, ah, sinon, non, c'est ça, le père d'amour. Pourquoi? Parce que ça se passe là. Parce que le vivre ensemble, c'est pas une habitude. Le vivre ensemble, c'est l'enfant de Trouille et le fils de Trouille. Vous êtes venus à pour le trouver. Après, il faut vivre ensemble. C'est pas évident. Elle dit, oh, je vais pas. Je vais laisser dehors. Mais tu as pris les engagements, c'est à toi. Ah non, elle me prend la tête. Oh. Elle ne peut pas te prendre les pieds, elle te prend la tête. Donc tu peux rentrer. Ah, c'est pas ça. On te prend seulement la tête. Si on te prend les pieds, là, tu ne vas pas rentrer à la maison. Mais quand même, il faut rentrer parce qu'on n'a pas pris les pieds. Donc là, ce soir, on va prendre les pieds et la tête, on prend tout le corps, au complet. Donc, mon grand, c'est toi. Moi, je veux seulement te presser. Si tu veux qu'on finisse vite, c'est toi. Mais moi, excusez-moi de vous le dire, j'ai perdu ma mère. Je suis venu parce qu'il fallait que je vienne, j'avais pris les engagements, il fallait que je sois là. Moi, je ne venais pas. Comme c'est un problème de famille, il faut venir. Parce que le deuil, ça continue. Mais la vie aussi continue. Donc ça aussi, c'est un problème. Parce que ma nièce doit être en sécurité. Ce n'est pas en sécurité, moi je ne serai pas à l'aise. Donc je veux sécuriser ce lieu-là. Ici, ce soir. S'il y a quelqu'un qui connaît, oh non, elle se comporte mal. Il faut dire ici. C'est maintenant ou jamais. Mais non, celui qui ne connaît rien, il n'a qu'à fermer sa bouche. Il doit suivre, il doit regarder. Parce que vos histoires, parce que après c'est le téléphone, vous allez. C'est vrai, elle se marie, c'est vrai, mais ah, ça se fait. Ça va se faire. Parce que nous, on a décidé ça. Et lui, il a dit que si je veux le faire, il va le faire. Malgré les montagnes, il va le faire. Il est fort. Tiens, mais je vais encore lui dire en face. Comprends? Toi alors, l'autorisation, continue. Merci. Merci beaucoup. Les autres n'étaient pas venus. D'accord. Alors, vous savez, quand on est malade, dans cette maladie d'amour, il y a toujours le docteur qui m'a envoyé donc l'ordonnance, c'est ça. Voilà. Donc, il m'a donné cette ordonnance pour que je puisse guérir. Et pour cela, il m'a dit que non, mais si tu veux guérir, tu prends un comprimé qu'on appelle costume. Costume. Donc, j'ai pris ce comprimé, costume, il est là. Ah, et pour sortir ça dans des étuis, attention, c'est à l'intérieur. Il n'y a personne. Il n'y a personne à l'intérieur. Voilà. Il est donc, voilà. Donc, il m'a dit que ce comprimé s'appelle costume. Et costume, il est bien là. Même nappe de table. C'est bon. Merci. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, il y a le premier comprimé qu'on m'avait demandé, ça s'appelle costume. Donc, costume est là. D'accord? On peut voir. Donc, costume est là. Ensuite. Parce qu'il y a des verres, c'est parfois. C'est-à-dire que ce n'est pas ici. C'est l'intérieur. Parce qu'après, tu vas voir. Doublure, parfois, c'était parti. Tu vas aller tourner à Tarangaï. Tu vois, surtout quand tu es vers Maluango, là. Hein?
Les vestes se déchirent vite. Non, c'est pas le soir, quand on prend le bus. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Aussi, il y avait la cravate. Bon, voilà. Bon, j'ai la cravate ici. Non, il y a le scanner, on pouvait voir déjà. On a des lunettes de scanner, on pouvait déjà tout voir. Voilà. Voilà, il est là. D'accord, c'est bon ? Ah ouais. Voilà, je peux poser. Ah, c'est bien. C'est bon, je peux continuer ? Oui. Voilà, ça c'est le sac de la cravate. C'est un sac à l'intérieur. Oui. Et l'embouchoir. C'est un sac. Ok. Tu n'as pas fait les choses à moitié. Tu as donc la chemise. Attends qu'à ça. C'est chaussier. Hein. Ah. Le beau fils, c'est lui. Ah. Je le logo. Voilà. Ah. Il a oublié le bordereau. Ah. Pour le cas d'échange. Ou pas, je peux que j'échange, oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Juste pour les côtés, au cas où. C'est bon. On va ouvrir parce que ça va. Moi, je dis c'est bon parce que j'ai vu, bon. Les choses là, ça part avec toi. Les chaussettes. Ça, on va mettre là. C'est ça ? Non, mais moi, je ne lis pas les noms. Ah, d'accord. Parce que si on lit les noms, c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, j'ai vu un monsieur, il a demandé des trucs. Lui-même, il était parti, le père, accompagné le beau-fils. Non, moi, je veux ça. Ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas, c'est le beau-fils qui décide. Si il a envie d'acheter le Weston, il achète. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire, il faut Weston. Non, le mariage, c'est pas comme ça. Ce n'est que des symboles. Voilà. On ne vend personne ici. Puis on n'achète personne. Mais il y a quand même au Weston. Tu vois ? Enfin, je n'ai pas dit, hein. Mais c'est toi qui as dit. Non, c'est pas moi. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Tu l'as dit déjà. C'est toi qui as dit. Non, mais parce que ça sort ici. Après, on dit que non, il a demandé non. Nous, on n'a rien demandé. C'est lui qui a dit non. Je dois faire honneur à papa. Voilà, c'est tout. C'est important. Parce qu'il n'est pas validé, mon beau-fils. Je connais très bien. Comme il m'aime bien, moi je l'aime bien. C'est comme ça. Merci. C'est moi. C'est moi. Toi, je vais regarder le truc, parfois ça peut être le même. Ah. Non, mais je n'ouvre pas, mais je fais seulement juste ça. Oui. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Merci, mon grand. Inspection. Hein.
On ouvre hein, parce que vous savez, les femmes qui sont là, les tantes là, quand ta soeur n'a pas eu des enfants, tu seras pas eu, le nom s'efface. Mais si ton petit frère ou ton gros frère a eu des enfants, des filles, donc tu es riche parce qu'il y aura toujours des cadeaux de tantes encore. Je suis le gardien modèle. Ça va, non? Ça va. Va chercher. Oh, mama.
Soit là. Il fallait qu'elle soit là. Mais on va faire un pierre deux coups. Ah, toi, tout le monde est trop. On vous remercie déjà pour les présents que vous avez apportés pour le père. Bravo pour eux. Bravo pour eux. Bravo pour vous-même aussi. Vous savez, le mariage, c'est pas un plat qui se mange chaud. Il faut prendre le temps. On se marie pas en 2 mois. On se marie pas aussi dans les semaines. C'est dans la durée qu'on se marie. Parce que la personne qui est en face de toi, tu ne le connais pas. Donc il faut le découvrir. Si vous ne le connaissez pas, après vous allez des surprises. Ah, moi si je le savais. Si je savais. Parce qu'il y a des choses là qui se passent maintenant. Ah, si tu m'as connu, quand j'étais enfant, 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 c'est devenu le Pakistan. Parce qu'avant là, c'était bien, mais maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre le temps. C'est pas en 2 jours, ah chérie, non. Ça, c'est des ennuyeux. Il faut prendre le temps. Parce que le mariage, c'est pas 2 jours, hein. C'est toute la vie. Donc je vous remercie beaucoup pour les présents que vous avez apportés pour le père. Ça nous va droit au cœur. Alors, là, je me tourne du côté du papa. Tad. Ma bille est remettre ça maintenant. La balle est kangé. Ma bille n'avait pas me fait ça. Elle m'a pris il y a moana. C'est pour te dire que. Baba qui n'a pas besoin de dire que. Il devrait falloir que moi, le quota, Samu, mais on est obligé de l'attendre. On finit chez maman là. On fait comme ça, dès qu'elle rentre, elle va commencer par je vous. Après, nous connaissons qu'il y a honte. Donc, je vais te demander de te mettre au bout. Regarde là. Regarde là. Regarde le côté. Bien, il faut suivre, hein. Parce que c'est deux familles. Moi j'ai pris ce que j'ai demandé, mon beau-fils nous a donné des présents, des cadeaux, j'ai bien reçu. Alors, comme j'ai reçu, c'est de ton tour de recevoir. Donc, voilà, il est tout là. Les anciens, je vais te goûter à moi, Nangé. Papa Jacques. Non. Non. Je prends le roi. Qui est là? Il m'a demandé de m'appeler à moi. Donc, vous pouvez essayer de faire ça. Je vais essayer de faire papa Laurent. Il m'a dit que je vais essayer de faire ça. Mais il y a même l'accès de Bacalia. Il y a moi, Nangé, il y a un petit peu. Donc, il y a aussi un média. Comme ça, après, il passe. Tu dis un mot après, papa va aller s'asseoir.
Dis-moi. Limite. Voici ce qu'on m'a remis. On a eu cette fille-là avec toi. Et la famille de Yves Simon m'a remis ça. Ça, je suis venu te montrer. Moi, comme j'ai pris. Tu as promis ça à Yves Simon, j'ai pris quand je t'ai pris. Je t'ai apporté ça pour te montrer que moi, j'ai pris. Voilà. Tu vois, tu prendras ta part. La façon que les gens sont arrivés ici, c'est la façon que nous avons tous été partis dans la paix. De toute façon, moi-même, j'ai fini à la paix. Judas. Moi, je vais aller m'asseoir et lui, il va prendre la parole parce qu'il veut finir avec vous deux. Là, il a fini avec papa, il veut finir aussi avec vous. Pour qu'il soit libre. Et tout à l'heure, il y aura les cadeaux qui vont poser là tout à l'heure pour clôturer la cérémonie. Donc, papa, tu as la parole maintenant. Voilà. Maman et mes chers enfants, je pense bien que c'est bien la bonne porte. Là où mon frère m'a amené, mon frère Nkata m'a amené. Et c'est une grande joie pour moi, pour mon petit-neveu, de pouvoir venir jusqu'à chez lui. Parce que là, c'est la source. C'est là où se trouve le cordon ombilical de Déborah. Donc, c'est là où nous sommes maintenant. Là-bas, c'est papa. Et là, c'est le cordon ombilical, donc le lien qui suit en principe la famille. C'est pour cela que donc, je suis venu. Je ne veux pas trop m'étaler. J'espère bien que déjà, de par le passé, par le biais du père, vous avez reçu une correspondance qui nous a permis de pouvoir avoir une suite exactement de ce qu'il fallait comme présent en ce qui me concerne. C'est pour cela que, si vous pouvez maintenant me donner la permission, par la bouche donc, de Serge, eh ben, je vais pouvoir vous mettre donc, les présents. On m'autorise. D'accord. En numéraire, tu viens ? C'est le avancez s'il vous plaît, emmenez tout. Merci. C'est bon ? Le dernier chat, le dernier chat.
Alors, on va déjà commencer avec toi. Thank you.
j'ai mon caméroine, c'est pour le coup. Mais les fleurs, le choix de tête, c'est ça. C'est bon. Se marie pas. Donc nous on dit seulement merci. Merci quoi. Parce que après c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que bon, c'est à suivre encore, puisqu'il y a encore long chemin à faire. Donc il y a ma beaucoup, hein. Il y a ma part beaucoup, tu vas voir tout ça. Donc, ça m'a bien ma beaucoup. Pardon, Thank you.
Baka. Ah, bah, y'a Baka. Bakini. Balking et Shinga. Fouégué et tout bien. Là. Trois pièces. Votre beau-fils là n'a pas fait les choses à moitié. Ah là là. Ah, vraiment félicité. Si je dis félicitations, c'est pas bon, mais félicité. Je vais féliciter parce que vraiment ce que tu fais là, ah là là, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Ça, c'est la chemise. Et... Ah, vous connaissez ça, hein? Purée, c'est bien. Ouais, normalement, là le beau-fils il est gentil. Hein? Parce que de nos jours, ma frère, je dis, oh, il fallait acheter un manteau pour l'oncle. L'oncle est d'abord lui-même déjà en cravate, donc on ne peut plus lui donner le manteau. Hein? C'est le monde moderne, ça change. Normalement, à notre époque, on donnait seulement un manteau. Le manteau. Mais maintenant ça a changé parce que l'oncle a le courage d'acheter sa veste. Donc il faut lui donner la veste. Mais il n'a pas trop ceci. Si le père était décédé, en ce moment-là, l'oncle prend, parce qu'il prend les responsabilités. C'est lui le chef de la famille du côté maternel. Parce que c'est lui qui donne l'autorisation pour aller à la mairie. Parce que si l'oncle ne porte rien, même si tu vas aller à la mairie, tu as des problèmes. Les deux sorciers là, c'est les deux sorciers. C'est que tu le vois là, comme eux, ils ont pris ton truc là. Là, tu es bien. Tu parles à la mairie. Parce que eux, s'ils ne prennent rien, s'ils n'ont rien pris, c'est des problèmes. Donc, vous avez honoré la famille. Et puis, si ta soeur n'a pas des enfants, n'a jamais eu une fille, tu ne porteras pas le veste. Chez lui, il n'y a pas or, parce que même si sa soeur a eu 9 gosses avec des pères différentes, lui, il restera toujours l'oncle. Pourquoi? Parce que chez lui, il n'y a pas de différence. Il protège. C'est le chef de canton. C'est ça que ça veut dire, l'oncle. Parce que les gens confondent des choses ici. Ah, il ne va rien me faire. Mais il a le pouvoir, parce que c'est le même sang de la nièce et de l'oncle et de sa soeur. Donc c'est le cordon omica. Voilà, c'est bien. Bravo, bravo, bravo pour vous. Bravo pour vous. Bravo pour vous. Oui, vas-y. Voilà. Donc, papa, ça, comme tu as vu, comme on dit chez nous, j'ai voulu que tu me dises, j'ai voulu que tu me dises, j'ai voulu que tu me dises. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire que si tu acceptes de pouvoir changer, de chasser les singes, il faut aussi accepter de tomber. Donc, tu as bien vu combien de fois je suis tombé pour arriver à t'emmener jusqu'à ce que tu vois là comme présent. Parce que je veux bien poursuivre de telle sorte que Déborah puisse y être avec mon neveu ensemble. C'est pour cela, oui. Quoi qu'il y ait une minute. Souci. Voilà, votre bouton. Comment toi? Donc c'est. Eh bien, moi j'attends maintenant ce pour lequel, ce pour laquelle je suis venu voir ici, venu prendre, parce que là ce n'est plus de venir seulement à la fenêtre ou dans la rue. Voilà, donc papa Serge, moi j'ai fini, j'attends tout maintenant de toi. D'accord, donc asseyez-vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bravo encore pour eux. Dans le mariage, comme vous venez de dire, Wolobadisou, nous on ne parlait pas.
Nous, on attendait seulement que vous veniez. Si vous allez honorer le rendez-vous. Mais quand vous dites, bon, le bain de souche, ce n'est pas un défi. Dans le mariage, il n'y a pas un défi. Parce que là, nous construisons une famille. Donc quand on parle de famille, c'est les familles qui se marient. Alors là, parce que quand tu me jettes les pierres là, sinon moi, ce n'est pas bien. Bien. Parce que, non, c'est bien. Oh, mais on est là pour ça. Alors, le côté maternel, tout ce qu'on a demandé, les présents sont là. C'est pas ça qui fait le mariage. Mais ce qui fait le mariage, c'est le comportement. Parce que son homme, s'il est venu, c'est parce que vous l'avez bien éduqué. Mimite, il y a un truc que je n'ai pas compris. Je vais vous le dire. Je vais enlever tout ça. Mais vous allez régler ça avant que nous partions ici. C'est un droit, vous allez le faire. Pour vous dire que j'ai accepté, comme ça je vais prendre ma fille. Mais si vous ne le faites pas, mais je vais d'abord commencer d'abord à vous expliquer pourquoi j'insiste. Que ça soit vil, que tu sois moche, que tu sois je ne sais pas quoi. La maman et le père ont eu un processus d'éducation. Hein? L'éducation. Quand cette fille-là était malade, il fallait se réveiller la nuit. Elle touchait la maman. Hey, faut pas toucher! Vous devrez donner ce que vous pouvez donner pour l'éducation de ces deux personnes. Parce que ça, c'est un droit. Que ce soit la maman, il y a du boulot. Il faut mettre l'enfant au dos. Maman telle qu'elle est là, elle le sait. Oui, parce qu'il faut mettre l'enfant au dos. Et quand l'enfant faisait pipi au dos du maman, l'enfant est au dos, et pipi descendait toujours dans la culotte de maman. Vous le savez, non? Ça, c'est un droit, il faut le payer. Ici, processus d'éducation. Ça, vous ne pouvez pas vous échapper. Ça, je vais vous le prendre. Parce que s'il n'y avait pas une bonne éducation, vous ne devriez pas être là ce soir. Ça, c'est très... C'est-à-dire que vous pouvez tout refuser, vous pouvez tout gommer, mais ça, non, vous ne vous échapperez pas. J'attendais toujours, parce que je me dis quoi? Tous les parents qui sont ici, surtout ceux qui ont des enfants, ah, si tu es tout seul, c'est difficile, hein. Surtout si c'est, tu n'es pas son père, tu sais qu'il va dire, oh, ce n'est pas mon père. Les enfants là, c'est des boudeurs. Donc là, moi je vais prendre ça tout à l'heure. Mettez-moi quelque chose ici pour l'éducation des deux personnes, parce que l'argent que vous allez me donner là, je vais partager ça entre les deux personnes que vous voyez là. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon. Mais ces gars-là, ils ont fait du travail, du boulot. Je vais vous gratter ça. Vous n'allez pas sortir. Ce n'est pas en bien, je ne vends pas et vous n'achetez pas. Mais c'est juste ce processus-là. C'est un processus qui est comme ça, ça ne change pas. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez gentils jusqu'à preuve contraire. Préparez-vous d'aller chercher la nièce. Et ils vont trouver leur truc là, ils vont faire. Pourquoi on donnait tout cela? C'est parce que la progéniture des deux enfants, ils vont pouvoir se retrouver soit du côté du grand-père, soit du côté de la grand-mère. Ils vont se retrouver au village. La lampe luciole, comme chez nous, il n'y a pas d'électricité. Les enfants vont sortir dans la nuit et les toilettes ne sont pas dans la maison. Donc, on accompagne les enfants avec la lampe luciole dans les toilettes. Ensuite, la lampe Bertomax, on pompe la lampe Bertomax parce que les petits-enfants sont venus. On met la lampe et... La grand-mère ou le grand-père doit être en capacité de raconter à ses petits-enfants les contes et les devinettes pour que l'enfant apprenne la tradition. Donc, il y a tout ça qui se trouve là à l'intérieur. Mais, tu sais, je t'ai dit que j'ai accepté de pouvoir chasser le singe. Si la corde s'accroche au pied, je vais tomber, je vais me relever. Je ne veux pas m'arrêter, je poursuis mon objectif. Et tu m'as parlé de ça. Même si cela ne se trouve pas dans ce que tu m'avais répondu dans le courrier. Et tu me demandes de faire un symbole. Nous, le symbole, on l'a donné à l'école. Moi, j'ai fait l'école bien avant. Vous voyez ça, j'ai 63 ans. Ça ne se donne pas. Donc, je suis assez vieux. Moi, j'ai fait l'école autant qu'on disait pionnier.
quand on prend, avant même de dire même que, avant même qu'ils puissent avoir même le mouvement d'ethnie, il y avait le symbole, c'est-à-dire je vais à l'école, le fait que je puisse parler ma langue maternelle, automatiquement on m'amène un os qu'on vient m'accrocher. Donc je porte l'os jusqu'à ce que j'attrape dans la cour de l'école quelqu'un aussi à qui je peux remettre le symbole quand le symbole va chez quelqu'un de soi. Et bien c'est ce symbole-là que je vous montre. Petit que ça peut pouvoir être, mais moi ce qui importe c'est le symbole. Tu veux acheter du Pika, je veux du Louis. Je crois que tu veux, ça fait 1000 francs chez nous. Hein? C'est ça, tu veux acheter du Louis. Comme son nom l'indique. Voilà, on va pas voilà. Eh bien, on va pas continuer parce que la note va être djinn, le coup de vague là qui arrive. Bon, pour cela, eh bien, papa Serge, vraiment, je n'ai plus d'enveloppe. Là, tu me vois. J'ai tout envoyé, je t'ai tout donné. Mais pour ça, eh bien, je fais seulement comme ceci, je tape. Hein. Voilà. Tu veux faire du bika. Ciao, Dieu. Bien. Quand même, quoi. Papa Serge, non, vraiment non. Je vais aller chercher ta femme, mais inquiète-toi. Mais non, moi c'est ma femme que je veux. Attends. Moi je ne peux pas continuer à préparer la semoule. C'est bon. Je ne peux pas continuer à faire les bouillons tout seul. Et puis, ce que je prépare, moi, c'est toujours un peu trop salé. Donc moi je veux qu'elle vienne. Moi j'ai besoin d'elle. Elle va finir. Donc là, voilà. J'ai fini. J'ai tout fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans ces cérémonies-là, ce que vous devrez retenir, ici-là, il n'y a pas un défi. Il n'y a pas un défi. Sauf que, moi, je ne suis pas venu me marier chez vous. On est bien d'accord? Non, on doit se comprendre. Parce que tu dis, ah non, moi, je ne suis pas venu me marier chez vous. Non, c'est vous qui êtes venu. Et moi, je ne vous ai pas obligé d'écrire. C'est vous-même qui avez écrit. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Parce que faut pas que, parce que vous criez parce que vous ne connaissez pas le sens des mots. Parce que vous êtes venu chez moi. C'est vous qui avez écrit. Moi, je ne vous ai pas forcé. Là, il faut écrire. Non. Il ne faut pas changer la tradition. Moi, si je viens me marier chez toi, je m'attache par rapport à la tradition. Ça, moi, quand j'avais écrit dans la liste, je l'avais mis. Et moi, avec mes échos, il m'a bien dit. Moi, je n'efface rien. Mais les gens sont faillis, ils ont effacé. Je dis, bon, ça, je vais gratter ça le jour. Mais oui, parce que, c'est cette tradition-là qui fait que d'autres... Qui a gommé L'oubli vient de chez toi, alors. Qui a gommé? Hein? Faut pas écrire en crayon. Non, j'ai écrit. Ils ont gommé. Il n'y a plus d'ambiance. Voilà. Donc, moi, ce qui est bien dans l'histoire, c'est le geste, quoi. Le symbole, pas dans ton symbole quand tu étais à l'école primaire, hein, où je te mettais au bas du drapeau, 1, 2, non, UGC, non, c'est pas ça, ça c'est fini ça, ça c'était autant de UGC, ça on connaît tous, mais ce qui est important, c'est quand on va chez les autres, on doit marcher sur un pas, vous marchez sur un pas, c'est comme ça, mais on ne peut pas être gourmand, parce qu'on ne voit pas, on n'achète pas, donc c'est bien. Bon, maintenant je vais vous dire quelque chose, je vous pose cette question-là, parce que les familles ont dit, ah, mais on va aller chercher, bon, il faut taxi. Oh, donc écoutez, c'est pour cela, la tradition, il ne faut pas la gratter. Voilà. Moi, ça dit que si il s'agit de vous demander le taxi, je vous le demande. J'ai ce droit-là aussi. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, moi, en tant que père, je me dis non. Parce que moi, j'ai deux casques. Hein? Je suis chez papa, je suis chez maman, je suis au milieu. Donc je peux écouter, je peux dire, ah taxi. Si c'est majoritaire, c'est là où c'est majoritaire, encore taxi. Mais si vous voyez. Hein? Parce qu'il y a deux traditions, hein, ici. Hein? Hein? Il y a deux traditions. Parce que ça, il faut se mettre ça. Ici je vis, ici Congo. C'est différent. Là où vous êtes bloqué. Thank you.
D'accord. Allez, une minute, trouvez un allez, une minute, une minute. Mettez-vous bien vous, s'il vous plaît. La question elle est comment? Vous avez un mannequin. 0 km. Hein? Toujours en, hein, en forme là. Donc là, on sait qu'il y a des histoires qui vont commencer ici. Donc, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, écoutez. Déborah, regarde. Dans cette salle-là, il y a beaucoup d'hommes, pas ici. Ici, il y a papa, il y a maman, il y a tes tantes et des oncles. Mais ici, c'est notre père de famille. Donc, je ne sais pas, je voudrais que tu ailles chercher ton homme parmi ces gens-là. Donc, tu nous amènes cet homme-là, ici. Dès que tu lui vois, tu lui colles un bisou. Mais on va chanter tous ensemble. Enani sola, vas-y, il faut chercher, nous on continue à chanter. Enani sola, I'm not
Ensuite, les deux whisky sont là. Oui. D'accord. Ensuite, tu as deux bouteilles, deux bouteilles de ton cadet, donc ensuite, tu as le carton de plan de la
Tout le monde, tu es au courant. Nous, on n'est pas allé pour vous essayer dans le chinooka. Chinooka, c'est le jour du pétrole. Je peux passer tous les soirs. Quand on est dans le chinooka, il y a le pétrole qui sort. Le chinooka vers l'automatel là-bas. Bref, pour donc les deux coques, Kokoko, j'ai mis ça pour les deux coques. D'accord. Mais il y a quelque chose qui est symbolique, quand même tu le sais. C'est puisque chez nous, ce qu'on donne d'habitude, tu bats un petit prince. Un petit peu, ça veut dire que c'est une damejeanne de vin rouge avec tissé. Voilà. Et en haut, il y a une fois les lianes, il y a du calcaire en craie. Oui. Hein? Voilà. Maintenant, ici, il n'y en a pas, mais c'est pour cela qu'on a donné là-bas les bouteilles de vin rouge. Mais nous, dans le temps, on avait un spécialiste qui devait venir pour casser la craie là, hein, le bouchon de craie là. Il fallait un spécialiste pour éviter de casser la damejeanne. Donc c'est ce que les gens ici appellent bouchon. Il ne s'agit pas de dire bouchon comme ça, mais il s'agit d'un spécialiste, de quelqu'un qui peut spécialiser pour ça. Et pour cela, donc je t'ai mis ceci, pour le tire-bouchon, qui va là-bas. D'accord. Donc, par contre, pour cela, on va se retirer à côté le moment venu, à la fois pour la maman et pour le père, et on sortira du monde. Oui, je vous remercie. Oui, je l'ai avec. On va pas aller à côté. On va vous mettre. D'accord. Moi je dis un combo diaté mourir, je vais vous répéter seulement diaté. Voilà. Alors vous bougez. Combo diaté gourou diaté. Combo diaté gourou diaté. Diaté quoi ou beka diaté. Combo diaté gourou diaté. Combo diaté gourou diaté. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est un cri de joie. Vous pouvez vous asseoir. On va passer aux choses sérieuses. Vous pouvez plier ça. Assos, associé, l'empereur Tchatchumba la Kachoubi. Badiame Bélé, le roi la paraprise à car arrière et Tanzanie. Mais pèse à Bolingoti. Le président Malik Doué, très très fort. Yuyu Clinton Abidjan, Asosa. Asosye Nangaï, Kalanenge Manokoye Boilo Kuta, et refoule Paya Miso. Miso Pelo Kula Yado Bakate, Atangisi Be Maï. Yibi Mobima Kotelina Inamidi, Yibi Kakambeto, Nasara Nimi. Yibi Mwesali Loko.
engagé. Yebo sani artisan, artisan de chéri nangaye. Tchatcho mbala, chéri nangaye. Lopaka nangaye, bolingo yanga na yo. Ataliwe kakabolate. Pourquoi yo bongoli monte malikola likambo moke papa. Oniro kananga utakala. Chumbala Oni roka ngela nga kanana mutema Le procureur Jean Mukenge Ya Dedi Kinsala Mon colonel Rouse Major Delphine Chacho na kanisa kibali mama zala ki asano Zoko kosa kanana Mala na kanisa kibali mama zala ki asano Chacho profita la faiblesse Nana sali bozo ba portable Rere chifre mon poisson n'est pas ya Moto mon sousou Mama Une fois t'avoué ta moitié pardonnée Je m'aime moitié pardonné Une fois t'avoué ta moitié pardonnée Chacho pardon zonga Mala Nandi mi fote za ya ngaye Chacho Mala pardon zonga la ngaye Mala Nandi mi fote za ya ngaye Chacho Nandi kakina ko polele Poto zala kika kamidi Nalinga kina ere nako Muyibia poli mwakoti Lingi zaino ngaye Pardon chéri Tchacho komisi ngaye valise Parce que le père a beaucoup de filles Donc aujourd'hui on va casser son assiette Symboliquement il fallait avoir une assiette pour casser ici Tu dis ici t'as plus d'assiette Tu peux venir retourner mais pas pour dormir une semaine et deux mois non Parce que là, le terrain est très occupé, sinon on aurait des problèmes. Donc, après, quand il finira chez le père, il va aller chez l'oncle. Normalement, on s'agenouillait à l'époque, mais bon, avec les robes qu'ils mettent maintenant là, c'est compliqué. Sinon, ça va se déchirer. C'est pour cela, elle va seulement s'asseoir. Mais on va lui poser certaines choses, des petits dialectes qui vont passer entre le père et la fille. Chez l'oncle, ça serait pareil, parce que ces questions-là, c'est les questions-réponses. Hein? Ça sort du fond du cœur, c'est pas parce qu'il faut qu'on te le dise, non. C'est toi-même, sinon ça ne sera plus un ça sera plus une bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est comme a fait mon frère, il est où? Mon pasteur, il est où? Il est là. Ah, attends, tu sors, tu passes. Ah, déjà, tu viens, mon frère. Viens. Tu as l'honneur aujourd'hui. Tu ne caches pas, on doit te voir là-dedans. Alors, lui, tout à l'heure, il nous a conduit dans la prière. C'est pas parce qu'il n'y avait pas que moi ici. Hein. C'est tout un ensemble qui fait ce mariage-là. Le couple, le mari, lui, il a vu. Mais toi, tu n'avais pas vu comment il a prédit. Lui, il prédit bien. Non, mais non. C'est un homme d'abord. Mais quand il est dans son élément, ça veut dire qu'il change. Parce qu'il faut sauver des âmes. Il y a des âmes perdues ici. Hein. Donc cette vocation-là, il faut l'avoir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, que voilà. Ce qu'il a prêché là tout à l'heure, c'est lui aussi qui va bloquer. Il va continuer. Je t'ai présenté cet homme-là. Parce qu'il faut dire, ah, on n'a pas vu. Moi, je veux qu'on le voit là-dedans. Lui aussi, il va se rappeler, ah, le vieux système est compliqué. Je ne suis pas compliqué. Mais lui aussi, il fait partie de ta vie d'aujourd'hui. Il est dans l'histoire. Parce que les mots qui sont sortis dans sa bouche, mais c'est pas lui, c'est un esprit, tu vois. Donc il faut lui dire merci. Il va vous aider aussi si vous avez des petits soucis dans votre couple. C'est un homme de Dieu. Il ne faut pas le voir parce qu'il est mignon, non. Parce qu'il est bon. Ah, il ne va pas m'éduquer, tout ça, non. Quand il faut déjà, dans cette histoire-là, tu peux le comprendre. Je dis ça parce que je sais pourquoi. Parce que les gens confondent. Parce que c'est jeune, qu'est-ce qu'il connaît? C'est ça. Et sa foi, c'est autre chose. Donc voilà, je vais te présenter la personne qui nous a mis dans les dents pour qu'on soit bien sur toi. Donc voilà. C'est moi. Bien. Donc, Va aller, Mathéo, Mathéo. Va aller,
Donc, les bras, tu laisses un éventail là, et puis tu viens avec. Moi, d'un coup, il y a un pack. Tu vas nous donner le secret. Ce secret-là, il faut le donner aux autres. C'est la grâce de Dieu. Ah, voilà. Tu t'assois. Vas-y. Je crois que je préfère que vous mettez ce côté. Hein, on vient en encadrer. Bon, qui vous rentre. Prends la bouteille. Là, on passe. C'est bon. Allez, vous rentrez. Mais nous voilà dedans. C'est ton père. Non, c'est bon. Donc, il a dit c'est bon. Alors, Tata Kassa, tu poses la question à Déborah. Hein, Déborah? La boisson que tu apportes là, c'est pour toi. Tu lui poses la question. Et après, tu lui ajoutes toi-même des mots gentils, pas moi. La boisson là, toi tu dis c'est mon mari. Tu donnes le nom et prénom de ton homme. Parce qu'il y a beaucoup de prénoms, tu donnes sur le prénom, peut-être c'est pas lui. Mais le nom et prénom, pour que ça soit bien. Parce qu'aujourd'hui, ton homme, ton père, quand il va boire cette boisson là, le vin là, il va plus boire pour quelqu'un d'autre. Là, c'est fini. Ici, il n'y a que l'année, il n'y a pas de retour. Il n'y a que l'année, il n'y a pas de retour. Donc, je vais lui poser la question trois fois. La boisson que tu apportes pour lui, elle va insister. Tu dis non, c'est mon homme qui a mis. Tu veux parler en langue, tu parles. Tu veux parler en français, tu parles avec ton père. Donc aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas le trucage là. Tu vas témoin. Donc tu lui poses la question. Est-ce que je peux boire cette boisson-là? Toi, tu répètes, bon, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas le vomir. Est-ce que je peux? Mais entre-temps, tu lui poseras des questions que tu veux. Alors. Tu as le droit. Déborah, ma fille, est-ce que je peux boire ce ballon de rouge là? Ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Tu peux ? Ne pleure pas, Déborah. Pourrais-je boire ce verre de ce ballon de rouge ? Aujourd'hui, c'est le jour J. Et si tu me le permets, boire ce verre de vin, ce vin de table, est-ce qu'il passera bien à ma gorge ? Oui, papa. Fort. Oui, papa. Merci. Je veux le bois. Ta soif. Aujourd'hui, je m'ai présenté ce monsieur, qui est aussi un fils sous mes yeux, Yves Simon. Attends, papa. Attends, mets-toi debout. T'es mis sur moi, Dengue. Tu vas lui dire ça là-bas directement. Pas que Déborah, tout le faire n'est ici. Viens avec Déborah d'un côté à Bagaléane. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Dès la vidéo, ça fait la distance. Yves, mets-toi debout, papa. Mets-toi debout. C'est maintenant ou jamais. Pourquoi tu pleures? Mais c'est l'émotion, non? Pourquoi tu pleures? Pleure pour toi, maman, pleure. Les gens de l'humain. Maria, viens, tu prends la main, tu te la main droite de ta fille, tu donnes à midi, tu te donnes ma fille. Tu te donnes ma fille et la journée, pas la nuit. Et puis les autres trucs, c'est toi-même qui sont. Hein? Vas-y. Yves Simon, parle un peu fort, papa. Je te donne ma fille le jour, mais pas la nuit. Tu as vu comment elle est? Elle n'a rien, elle est correcte. Je ne voudrais pas un jour retrouver ma fille avec soit une cicatrice. S'il y a un souci, c'est vrai que je suis souvent à l'étranger, t'as mis cordonnier. Et la porte de ma maison est grandement ouverte pour toi. Donc s'il y a un problème, dans un ménage, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, si aujourd'hui, que ce soit Déborah, ni toi, s'il y a un souci, vous m'appelez. Et je serai toujours là pour vous produire des conseils. Et voilà, je vous souhaite bon vent.
Bien. Toi, tu t'assois. Donc là, tu viens toujours avec moi. C'est pas mal. Prends ta nièce derrière, dit ah non, non, non. Les rois vont se marier. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que nos ancêtres se posaient la question. Ah, sont dirigés à la mairie. Oh, ne met pas au monde. Oh, le pasteur, tu as sauté. Or que là, là, on va tourner les chiffres. Comment tu te sens d'eux? Bien, hein? Voilà. Là, je suis d'accord. Là, ceux qui ne se marient pas, ils vont prendre l'exemple. Parce qu'il y en a qui disent, l'an prochain, hein, l'an prochain, ah, ça commence à durer. 10 ans quand même. Oh. 10 ans, c'est trop, hein. Moi, je t'étudie encore. Ah, t'étudie? Non. Voilà. Merci. C'est à ton nom. Si tu poses la question, ils veulent plaire ou vous cherchez. Je lui dis ça. On a soif, quoi. Mais il n'y a soif. Non, tu m'attends, quoi. Je n'ai pas donné à n'importe qui cette histoire-là. Je te jure. Hein, parce que si tu n'as pas cette chance-là, que la nièce vient faire ça, ça veut dire que si tu fais ça, toi-même aussi, tu dois te marier. Tu n'es pas formé. Tu dois te marier. Voilà. Alors, Deb, tout à l'heure, les mêmes paroles que tu as dit à ton père, c'est les mêmes paroles que tu dis à l'oncle. Et l'oncle va te poser la question là trois fois. Est-ce que je peux boire? Toi, tu répètes seulement bois. Moi, tu ne vas pas le vomir. Donc, je donne d'abord le nom à laquelle qui a porté ça. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas te dire tout, sinon, ça ne serait plus une bénédiction. Ça doit sortir de toi-même. Prends du cœur, je vais m'asseoir. Tonton, je t'apporte ce vin qui vient de mon mari, Yves Simon Pambouloué-Bé. Ah, tu peux boire? Avec la main droite, avec la main droite. Je prends ma fille. Tu sais, je t'appelle souvent Ali Debs. Est-ce que si je bois cette boisson-là, je ne vomirai pas ça? Non, je réponds non. Non. J'ai confiance. Trois fois. À la gloire de Dieu. Dieu est tout puissant. Tu m'as porté cette boisson. Et c'est moi, ton oncle. Et je bénis ce mariage. Et tu vas aller de l'avant. Toi-même, tu sais. Je veux boire ça avec un cœur ouvert. Je voulais bien de l'eau pour que ça soit clair. Mais tu m'as porté du vin. Il n'y a pas de souci. Je le bois. Je suis là. Alors, Simon, vas-y. Je te donne ma nièce, pas de cicatrice. Je l'appelle sur Ali Debs. Tu vois comment elle est toute belle. C'est une miss. C'est pas une miss que je te donne. Mais je te donne le bonheur. Parce que qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Donc c'est le bonheur que j'apporte dans votre foyer. Et j'aimerais bien qu'il me bon pour le bon. Personne d'autre ne viendra vous faire du mal. Au nom de son Fait un choix.
parce que c'est toi l'histoire. Toi, j'ai écrit l'histoire. Là, je t'assois. Tiens. Tu m'auras, tiens. Déborah, tu viens, je te mets là, ta jambe droite là, tu t'assois, toi tu t'assois, tu t'assois, tiens, un demi plat, un demi plat, un demi, parce qu'il a soif, ça va, pose la boîte, et bien, tu t'assois là, tu tiens bien sa nuque, tu tiens bien sa nuque, tu lui dis un mot gentil. Tu l'appelles quoi, petit nom? Le petit nom que tu l'appelles quoi? Mon tomate. Mon oignon. Tu t'assois là-bas. Non, tu fais ce que tu veux. Et tu fais ce que tu veux, moi. Et tu fais ce que tu veux, quoi. Tu dis ce que tu veux. Et que ça soit bien. Voilà. Après, tu vas t'asseoir là. Tu le tiens bien la nuque et puis tu le fais voir. Mais dis les mots gentils. Voilà. Assieds-toi. C'est la partie là. C'est la partie pas. Écoutez, écoutez. Écoutez, parle fort. Après, ils auront besoin de leur vidéo. Hein. Après... Je voudrais d'abord remercier Jésus-Christ pour cette journée incroyable. Je voudrais d'abord remercier Jésus-Christ pour cette journée incroyable. Mais je voudrais aussi remercier Yves Simon de m'avoir honoré devant ma famille, devant sa famille et devant mes proches. Je bénis la vie de Yves Simon. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour la personne que tu es. Si aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce à mes parents, mais aussi grâce à toi. Tu m'as fait grandir, tu m'as fait croire en moi. Et je ne serai jamais reconnaissante envers toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je voudrais aussi remercier tes parents pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Je sais qu'aujourd'hui, il manque une personne. Je sais qu'aujourd'hui, il manque une personne qui voulait vraiment assister à cette union, Papa Vili. Je voudrais te remercier pour Maman Olga, pour l'éducation. Comprenez son émotion. Ah là, c'est chaud. Pour m'avoir ouvert la porte de chez toi, m'avoir ouvert la porte de ton cœur. Tu m'as pris comme ta fille. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Je sais que c'est cette dernière année, elle n'a pas été chaude. Et je te remercie, parce qu'on est toujours unis. Je te remercie, Poldo. C'est vrai que tu n'as pas de sœur, mais tu m'as prise comme une sœur. Merci pour votre accueil, votre amour. Merci vraiment, Yves Simon, parce qu'en plus de me donner de l'amour, tu m'as donné encore une famille. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui sont là. Merci d'être venu. Je voudrais vraiment remercier mes parents. Je voudrais remercier mes mères parce que ça n'a pas été simple ces derniers jours. Merci pour tout cette. Vous voyez ça comme ça, mais il y a beaucoup de travail derrière. Merci, mon mythe. Merci pour tout. Que Dieu te le rende au centuple. Merci, maman. Que Dieu te rende. Je sais que ça n'a pas été évident, mais aujourd'hui, tu l'as fait. Merci, papa, pour l'éducation que tu m'as donnée. Les autres, remercie mes frères. Parce qu'ils ont contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Merci à tous vous. Merci ma grande sœur Norma. Merci à toutes mes copines qui m'ont toujours soutenu. Aujourd'hui, c'est pas que mon jour. C'est aussi votre jour. C'est aussi votre jour. Et que le panier circule. Ma seule prière, c'est que d'assister encore à 1 million de dots dans les années à venir. Amen. Amen. Pas doucement, encore. Vas-y, encore. Le fond, doucement.
La main toujours dans la nuque, il ne faut pas oublier de voir. Toujours la nuque, toujours. Vas-y, doucement. Avec il a soif, mon ami. Il a soif, va doucement. C'est votre jour, profitez-en. Parce que quand ça serait de tous les autres là-bas. S'il va coucher bien en arrière, voilà. Vas-y, encore. Ah. C'est bon. C'est ton tour. Déborah, elle a parlé en tant que femme. Maintenant, toi, l'homme. Ah. Donne le verre. Donne le verre. Tu te mets comme ça. Comme ça, je te mets là, avec ton verre, là, tu mets là. Un mot gentil, tu lui fais boire. Hein, voilà. Yves, vas-y. Bon, j'ai préparé quelques mots. Je suis pas timide, mais j'aurais besoin un peu d'encouragement. Si. Ma famille. Imbi. Imbi. Nous vous. Ah mais comment? Ah mais pourquoi pas? C'est bon déjà. Bon. Elle a parlé avec le cœur, avec son cœur, et c'est pas pour rien aussi que mon défunt père lui avait donné le surnom du cœur. Donc c'est mon cœur, c'est la vérité. J'ai préparé quelques mots. Je te remets ce bouquet de fleurs. Quand on a commencé notre relation, on avait l'habitude de compter les pétales de roses pour chaque mois et les roses pour chaque année. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, je t'ai offert cette rose. Ok, c'est bon. C'est préparé. Donc, les lettres de ton prénom, Déborah, D-E-B-O-R-A-H, te décrivent parfaitement. Débordante d'élégance, beauté originale, ravissante, amour honorable. Aujourd'hui, je t'honore devant Dieu, ta famille ainsi que la mienne. Tu sais combien de fois je t'aime et combien de fois je suis prêt à te donner autant d'amour. Pas par des cadeaux, mais un amour sincère. L'amour agapé avec Dieu et ensuite avec toi et moi. Je suis né le 27 novembre 95 et t'es né le 28 novembre de la même année. Quand je prends le côté biblique, je sais que Adam s'était endormi et à son réveil il a vu Ève. À moi, il a fallu 27 ans, enfin pratiquement 21 ans pour que je dise cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen, amen. Si, pour véritablement la femme de ma jeunesse. Pour en arriver là où on est aujourd'hui, on est passé par beaucoup de choses. Tu m'as prouvé et tu m'as montré aussi que tu étais une femme pleine de courage, qui m'aimait d'un amour sincère, sans intérêt. Tu m'as soutenu dans mes difficultés, tu m'as accompagné aussi dans les bons moments. Et chaque moment passé avec toi, c'est toujours de la joie, de l'amour. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on est tous réunis. Il y a 3 ans, je me suis mis à genoux pour te demander en fiançailles. Et je voulais que ça aille vite. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Amen. Aujourd'hui, on est le 10 novembre. Et il y a 3 ans aussi, c'est là où j'ai perdu mon père. Là, tu peux le dire, papa Willy. Mais comme Dieu, c'est lui qui, là où il y a le chaos, il amène le hockey. Là où il y a la mort, il amène la vie. Il y avait j'étais éprouvé quand j'ai perdu mon père il y a 3 ans, à la même date. Mais maintenant à cette date là on célèbre l'amour, notre amen. Amour. Et je te dis devant tout le monde que je t'aime d'un amour sincère. Amen, amen. Par cette même occasion, je te fais boire ce jus. Et j'espère que tu vas pas te l'étouffer avec. Je vais pas accrocher la nuque là. La tendresse
la nuque. Avec le pot, hein. Tiens de la nuque. Avec le pot. La nuque toujours. Merci, mon vas-y. Il y a un coup de pied, il y a un mot de pied. Il y a un mot de pied, il y a un mot. Moi, qu'est-ce que. Encore et encore. C'est bon. Il reste là. Ah oui, doucement. Avec un peu de repos, tu peux le boire. Tu peux le boire. Oui, tu t'assois. Vous pouvez vous asseoir maintenant parce qu'on va aller vite. Suivez, hein. Tout à l'heure, quand on a commencé notre cérémonie, on avait insisté sur la natte. Alors, la natte qu'on donne aux mariés, c'est pas une natte pour garder à la maison, non. C'est votre natte à vous. Gardez-la jalousement. Parce que cette natte-là, pique-nique vos enfants, parce que vous ferez des jumeaux. Parce que cette natte-là, les entraînements. Parce que si nous sommes là, c'est pas parce qu'on veut voir les autres, parce que tu l'aimes. Parce que si tu la connaissais pas, tu venais pas. Tu la connais mieux que moi. Nous, on l'a vu quand elle est petite, mais là, tu la connais plus que nous. Alors, ce que je veux vous demander, vous deux, il n'y a que deux mots magiques. Pardon et merci. Même si vous avez des problèmes, vous vous asseyez là. Vous deux, ah chérie, tu ne te rappelles pas toujours là, vraiment. Parce que nous, ce qu'on fait là, c'est vous qui allez montrer l'exemple. Vous verrez que dans les jours à venir, il y a des gens qui ne venaient pas chez vous, mais qui viendront peut-être pour détruire. Mais ne faites pas confiance aux gens, ce n'est que vous deux. La troisième personne, menteur, il va vous détruire. Quand tu as des problèmes dans ton couple, vous devrez les régler vous deux. Ou c'est le pasteur. Mais tout secret n'est pas bon à dire. Vous savez quoi? Tout secret n'est pas bon à dire. La personne qui te montre les dents te dit je t'aime, parfois il ne t'aime pas. Mais les dents qui te montrent, c'est pour te mordre, te faire mal. Alors moi, pour le pouvoir qui m'est conféré par vos familles, je vous déclare mari et femme. Un symbole. Vous avez vu que le papa a pris sa fille et a remis à mon petit neveu. Vous avez vu ça tous, je crois. Oui. Vous avez vu que l'oncle maternel a pris aussi sa nièce et a donné la responsabilité à Yves Simon. Moi, je vais appeler le papa. Viens. Je parle très fort. Alors, vraiment, papa, détache un tout petit peu. On met comme ça. Lève-toi, maman. Lève-toi. Prends ton fils et remets ton fils. Unis tous les deux là. Tu dois les unir les deux. Parce que. Les deux mains. Tu prends les deux mains. Et tu leur dis un mot, parce que ton enfant que voici ne sera plus ton enfant seulement. C'est plutôt les deux qui vont pouvoir continuer à bâtir leur vie. De son côté à elle, ça a été déjà laissé.
Mais toi, le père, avec toi, tu as aussi la maman qui est à côté, que toi tu portes. Alors, tu remets ton fils à sa femme. Merci pour la parole. La Bible déclare ceci dans Proverbes chapitre 31, verset 30, que la beauté est trompeuse. Mais une femme qui est humble, une femme qui est docile, c'est celle-là qui sera honorée. Amen. Et si aujourd'hui elle est honorée, c'est parce qu'elle ne s'est pas confiée à sa beauté, mais au respect. La Bible déclare, autrefois, Sarah appelait Abraham mon Seigneur, donc chef. Et donc la Bible dit, dans le même livre de Genèse, chapitre, si je ne me trompe pas, Genèse, et à partir du chapitre, si je ne me trompe pas, par la grâce de Dieu, ça va revenir. Oui, ça va revenir par la grâce de Dieu. Chapitre 24, verset 58, Rebecca, la fille qui est censée être la femme d'Isaac, après avoir que ses parents ont reçu le présent, on lui a posé la question, veux-tu suivre Eliezer? Parce que Eliezer était le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, donc celui qui s'est dirigé auprès de la famille de Rebecca pour donner les présents. Et la Bible déclare, après avoir reçu les présents dans les mains de ce dernier, on a posé la question à Rebecca, veux-tu suivre ce dernier? Et Rebecca a accepté. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la dot. Voilà pourquoi ma qualité de l'oncle et ma qualité de papa, parce que je suis africain, dont le père et le grand frère, même père, même mère, avec celui qui est en train de parler, donc je suis papa, petit papa, je viens en ma qualité de petit papa ou papa te dire que tu es désormais la femme de notre fils. Donc en ma qualité de père, je scelle cela dans le nom de Jésus. Amen. Un dernier mot, excusez-moi, la Bible déclare ceci, que dans 2 Chroniques 20-20, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, les prophètes vous réussiront. Je déclare la réussite totale dans votre couple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était un complément très utile, très important dans ce que nous étions en train de faire. Vous reprenez votre natte, même si elle pèse des tonnes. Voilà. Mon frère Serge venait déjà de le dire, beaucoup de choses. Cette natte, c'est un témoin. Ça ne parle pas, mais ça ne parle pas. Ça pèse même. Le mariage, c'est ça? Ça pèse. Ah oui, ça pèse le mariage. Ça ne parle pas, mais ça a toute une histoire. Cette natte est le symbole de votre mariage. Mais au regard de l'expérience, si vous demandez à ceux qui sont déjà mariés, je vous dis que le mariage, ce n'est pas un fleuve tranquille. Pour un verre de cassé que maman avait donné, ça peut devenir un grand problème. Non pas le jour où le verre s'est cassé, mais plutôt des mois bien après, que c'est toi qui avais cassé le verre laissé par ma grand-mère. Et ça devient un problème. À chaque fois, cela est rappelé. Mais nous pensons bien que, étant donné que les deux, vous avez beaucoup prononcé le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé, le nom de Jéhovah Jiré, celui-là qui a pour vous, pour l'une et l'autre, ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes une seule personne. C'est pour cela qu'il n'y a pas deux nattes ici. Vous êtes une seule personne. Ainsi, soyez complémentaires. Déborah a ses défauts que tu ne connais pas encore, que tu ne connaissais pas encore. Mais Déborah est bien la bonne personne que tu as choisie. Déborah, pour lui aussi c'est pareil, il a ses défauts.
Mais c'est la bonne personne que tu as choisie. Prenez le bon côté. Quel que soit ce que vous avez eu comme contradiction dans la journée, ne vous couchez pas avec cela. Mais autour de cette natte, qui est pour vous dans la maison comme étant un bruit, vous trouverez toujours la solution et ce sera la solution. Serge venait de dire ici qu'il y a deux mots. Merci, pardon. Même si vous avez raison, pour sauvegarder ce que vous avez fait aujourd'hui, vous devez toujours pardonner. Et ça ne vous va pas permettre d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'on parle de l'amour, ce n'est pas à moi de vous apprendre cela. Mais lisez de vous l'amour. D'accord ? Voilà. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter là. Parce que après il y a mon frère Fred qui va venir tout à l'heure pour clôturer le moment de prière. Il en dira beaucoup de choses. Mais que vos oreilles, non pas les oreilles physiques que nous voyons là, mais les oreilles du cœur, puissent s'ouvrir afin que cela puisse être gravé dans le cœur. Voilà, nous avons fait notre travail avec mon frère Serge. Nous nous éloignons, nous laissons à votre ordinate. Vous restez avec votre la natte là, vous la gardez chez nous. Vous la partagez jamais. C'est pour vous deux. Quelqu'un peut avoir des problèmes. J'ai essayé de vous donner votre. Bien. Là, c'est moi, parce que c'est moi qui vous ai reçu. On va aller vite parce qu'on va gagner du temps. Je vais vous donner ces paroles là, vous présentez la famille. Après, on va représenter la famille ici. Parce qu'on va vite. Maintenant, nous aussi, on a réservé quelque chose pour vous, les présents, qu'on va vous donner. Parce que maman a préparé quelque chose, papa aussi a préparé quelque chose. Pour qu'on va vous remettre, parce que c'est l'échange chez nous. Parce que si on donne, nous aussi on vous donne quelque chose. Donc c'est comme ça. Donc on va présenter les familles maintenant. Vous commencez vous. Vous êtes à l'honneur de présenter la famille. Après, papa va présenter la famille et puis ça sera autour de maman. Vous gagnez du temps. Voilà, pour gagner du temps. Je vais demander à ma conseillère financière. Et ensuite, elle va pouvoir m'aider dans le langage pour la présentation, mais ça va aller très très vite. Tu commences d'abord par... Toi-même d'abord, elle-même, ça c'est la sœur du marié, la sœur directe. Comme la seule et unique, la sœur du marié. Voilà. Là, il y a maman Olga Lydie Chikambou, la maman du marié. Là, il y a papa Alain Pambou, l'oncle du père. Debout, quand même. Du marié, du côté paternel. Là, il y a tonton Labasse aussi, du côté paternel. Là, il y a maman Gigi, la grande sœur de maman, du côté maternel. Là, il y a maman Cécilia, du côté maternel, la petite sœur de maman. Il y a maman Flora, la petite sœur aussi de maman, du côté maternel. Son mari, tonton Philippe. Maman Christelle, la petite sœur aussi de maman, et tonton Freddy aussi du côté maternel. Et puis il y a tous les autres aussi de la famille, je ne vais pas nommer tout le monde, mais il y a tous les oncles, les tantes du côté maternel aussi, et les amis qui sont devenus la famille, et il y a tous nos frères et sœurs du côté maternel. Voilà. Donc Serge, tu as bien constaté que pour nous la notion de famille est très très large. Parce que nous avons même nos beaux, tous ceux qui se sont mariés dans notre famille font partie aussi de la famille, ainsi que nos amis. Parce qu'il y a deux fois des amitiés qui dépassent même deux fois la fraternité. Voilà, je vous remercie et je dis merci à tous ceux qui sont venus derrière mon petit neveu pour cette manifestation que nous avons eue. Voilà Serge, je te remets la parole. Merci. Je vais vous présenter la famille, parce que c'est le père. Vous connaissez bien sa famille que moi. Hein? Monsieur Kassar, vous êtes à l'honneur de présenter la famille et les amis. Merci. Je vous présente... c'est immense, la famille. Bon, on va aller. Je présente mon épouse, maman Pascaline Gassa. Allez debout, madame. Il faut se mettre debout. Voilà. Il faut mettre fatigué. L'ambiance et tout. Hein? Même en route, si vous la voyez, enfin, dorénavant, il ne faut plus vous bousculer. Voilà. Là, c'est mon cousin, Placide.
Tout le monde le connaît, c'est un gentleman. Allez, voilà. Et ça, c'est l'oncle. Papa Serge. Ok. Ça, c'est un grand frère qui m'a vu grandir. Du même quartier à Roy. Depuis ma grand-mère, qui est à Luango. Elle a connu tout le monde. Ma soeur aînée Clémence, tout le monde la connaît, qui était femme d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est un aîné. Papa Camara. Il est dans le même quartier. Il est né dans le même quartier à Roy. Derrière l'école Maluango. Ça, c'est le beau-frère, Yann. Elle est la célébrité, en foutu à Mimi. Et ça, c'est le beau-frère. Et là-bas, il y a les enfants, les mamans, la grande famille, les enfants. Donc, ça, c'est la famille. Merci. C'est jamais petit en plus. Alors, avant que vous dites, puisque les gens ont dit quelque chose, on va tout faire peut-être, mais si vous avez dit quelque chose, on va chercher. Parce que chez nous, vous connaissez vous-même. Nous, on est comme ça, on va. Donc, avec le code, hein, il faut toujours donner. Tu ne peux pas prendre, tu ne donnes rien. Non, il faut toujours donner. Donc, attends. Nous sommes à Villiers-le-Bel, soit par un RERD, soit par la ligne H, ou bien le RERA, vous voyez quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous. Vous savez, ici, on s'assoit, et puis ensuite, après, on a son téléphone comme ça. Alors, la personne qui est à côté de vous, c'est une personne avec qui un lien a été déjà établi. Donc, c'est pour cela que on veut bien que ma sœur puisse présenter certains oncles qui sont là, et que vous pouvez voir facilement. Voilà, qui n'ont pas été présentés par Paul Dominique. Voilà. En fait, là derrière, il y a mon neveu Dada. Dada. Là, c'est Mais papa. C'est pour cela qu'on demandait, il faut que je mette debout. Oui, parce que papa Émile Choubou, le mari de ma soeur aînée, maman Brigitte. Papa Émile, un homme de Dieu aussi. Et ça, c'est ma cousine Rose Lassie. Du côté de maternel, de mon côté maternel, les Lassies que vous connaissez, l'église Lassie du Congo. Nous sommes des petites filles de Lassie Zéphirin. Bon, là c'est l'épouse de l'oncle. Voilà. Et derrière, ici il y a Monsieur Anatole, l'ami de mon frangin, Tonton Romuald Tikombou, le maire de Tiédié. Avec son épouse, Michael, que vous avez connue toute jeune, Michael Victoire, qui est maintenant Michael Tikombou aujourd'hui. Et là, il y a la sœur de Michael. Et à côté, vous avez ma nièce, la fille de la première petite fille Tikombou, qui était la mère de Ngoyo, Yolande Keta. C'est ma nièce, la nièce de Tikombou. Sa maman, c'est l'aînée de Tikombou. Ceux qui sont à Pointe-Noire qui connaissent la pâte d'oie, l'hôtel, restaurant, la pâte d'oie à la raffinerie, c'est sa maman. C'est la première fille Tikombou. Et elle-même, c'est Central Bar à Pointe-Noire, la responsable. Voilà. Et là, vous avez papa Edmond Bouanga, le frère de papa Willy, le défunt époux, père à son âme, son frère Edmond Bouanga. Il est là. Et derrière, ce sont les frères amis de Yves Simon. Et là-bas, il y a tout. Du bruit. Voilà. Alors, on est présent. De l'autre côté, vous me suivez, la caméra. Ici, c'est tous nos enfants. Là, il y a Yaya Elvire. Les enfants, c'est-à-dire les petits-enfants de Tikombou. Elvire, Hugues Albert, Emouna, Ingrid, Cécilia, l'aînée des petites filles. Là-bas, on a le beau gosse. Julien Carré, là on a Poli, ici on a Ingrid, nos hommes sont des mannequins, il y a Edmé Grasse, là je vois Raphaël, les mannequins là, levez-vous, on a Sophie et Yaya Titi, Sophie la lézienne, et les mannequins aussi vous pouvez vraiment vous rencontrer, il y a aussi des belles filles là, avec des gros bagages. Amen.
Le dernier mot de la fin. Donc, fais la prière, papa. Ah, mais moi, je dois... Oui. Nous allons clôturer avec Dieu. Mais... je vais libérer les paroles pour notre fille et mon fils. Je voulais d'abord dire félicitations. La considération que tu as pour moi. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe en toi et moi. Tu le sais. Tu es un enfant qui écoute beaucoup. Mon souhait, c'est d'avoir... des nièces comme toi, des neveux comme toi. Ma fille, j'étais assis, j'étais vu en larmes, tu peux pleurer. Parce que moi j'ai pleuré pendant mon mariage, ma dot, j'ai pleuré. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi. Parce que tu penses d'où tu viens. Tu penses à beaucoup de choses. Mais je veux t'encourager, pourquoi? Le verset le plus court de la Bible, c'est dans Jean. Jésus pleura. Même notre maître a pleuré. C'est normal. Mais je veux te rassurer une chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je voulais remercier aussi ma grande soeur pour l'éducation. Je voulais remercier aussi le prophète, le petit papa de Simon, pour les valeurs qu'ils sont en train de m'inculquer avec la parole de Dieu. Seigneur, je suis aussi marié, j'ai 7 gosses et je suis grand-père de 3 petits-enfants. Donc, je vais vous donner des conseils et je vais prier pour clôturer. Mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu parce que je crois que la parole de Dieu est infaillible, indétructible et inébranlable. Yves Simon, le mariage, c'est une alliance. Dans l'alliance, ce qui est à toi est à moi. Pourquoi je le dis? Vous êtes des chrétiens. Abraham avait une alliance avec Dieu. Mais Dieu quand même a demandé Isaac. Parce que ce qui était à Dieu appartenait à Abraham. Ce qui était Abraham appartenait aussi à Dieu. Ce qui est à toi et à Déborah. Son ennemi, c'est ton ennemi. Amen. Excusez-moi parce que je serai un peu cru. Son adversaire, c'est ton adversaire. Je ne vais pas aller plus loin parce que moi, mon portable, c'est le portable de ma femme. Elle connaît tous mes codes. Tu sais pourquoi, mon fils, faut aimer la paix. Aimer la paix. Rien n'est plus que la paix. Et personne ne peut vous ravir la paix que Dieu va déverser en vous. Amen. Il y a un autre point. Quand vous avez déjà goûté au fruit de l'amour, je vous donne un conseil. Tu as 32 ans. Non. Hey, 27, mais c'est bon parce que ce que tu viens de faire, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui l'ont pas fait, qui ont 60 ans, qui ont 50 ans. Ça, c'est très important. Mais je vais commencer par ta femme. C'est beaucoup, 27 ans. Si tu veux toucher le cœur de ton mari Yves Simon, faut toucher son corps. Très bien. Si vous n'avez pas compris, vous allez m'appeler, je vais vous expliquer. C'est facile. C'est aussi simplissime que ça. Si tu veux toucher le cœur de ton mari, il faut toucher son corps. Yves Simon, si tu veux toucher le corps de ta femme, il faut toucher son cœur. Amen. Amen. C'est très important. Maintenant, j'ai un verset que je vais lire. Si une personne peut faire une lecture formidable. Églésa chapitre 4 au verset 9. Ça va édifier vos copines qui veulent aussi se marier. Ça va édifier
les parents aussi. Parce que souvent, nous, les parents, nous avons tendance à dire, attends, ma fille, c'est ma vie. Mon fils, c'est ma vie. Non, c'est pas ta vie. Elle a sa vie. Il a sa vie. Amen. Amen. Ne prenez pas les enfants en otage. C'est pas pour rien que je suis là. Amen. Je vous le rassure. C'est pas pour rien que je suis là. Laissez les enfants vivre leur vie. Tu as fait ta vie. Amen. Si tu veux apporter un conseil, tu apportes un conseil. Ma fille, tu peux lire. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Arrête-toi d'abord. Deux valent mieux que un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Là, je parle de l'organisation. Ton salaire, vous formez un. Si vous vous organisez très bien, on va vous prendre pour des millionnaires. Mais quand vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des millionnaires. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est un conseil d'organisation. La richesse, c'est l'organisation. Vous pouvez décider d'épargner un salaire. Parce que moi, je l'ai fait dans ma vie. Les enfants vont prendre les pattes. C'est pas grave. Mais on a un projet avec maman. On va épargner mon salaire. Pendant un an, on a un projet. C'est l'organisation. Dans l'organisation, il y a la communication. Le premier point que le malin va chercher à détruire votre relation, il va couper la communication. Retenez-le. Parce que sans la communication, on ne peut pas faire des projets. Très important. Retenez. Continue, ma fille. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même... Attends, c'est bon. 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Toujours dans l'organisation, ça veut dire... Ça peut arriver que ton mari perde du travail. D'accord ? Ça peut arriver qu'il perde son travail. Mais tu ne vas pas abandonner ton mari. Tu vas chercher à le relever. Je continue. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Les célibataires. La solitude, ce n'est pas quelque chose de bien. Pensez à vous marier, mais n'allez pas aussi précipitamment. C'est très important. Verset 11, ma fille. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les Attends, verset 11, doucement. De même, si deux couchent ensemble, là, il n'y a pas de honte, là, vous êtes des adultes. On est en hiver. Maintenant, imagine celui qui est seul. Ma ligne, c'est compliqué. Tu peux péter les plans. Donc c'est une grâce pour vous de vous mettre ensemble parce que Dieu veut que ça soit ainsi. Amen. Continue, ma fille, pour terminer. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Point. Là, on passe maintenant l'étape qui est la racine du couple. Deux, c'est bien, vous pouvez combattre. Mais ce troisième fil, c'est quoi? Or, je prie, écoutez-moi mes enfants. Le troisième fil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit au centre de votre couple. Qu'il soit la racine qui va vous permettre de se tenir debout. Qu'il soit la personne qui va combattre vos combats visibles et invisibles. Amen. Amen. Mettez-le au centre de votre couple. Je vous en supplie. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais libérer les paroles. J'aimerais que vous puissiez retenir les paroles que je vais libérer sur vous. Ça va vous suivre.
Dès que vous allez constater ces signes, rendez grâce à Dieu. Amen. Deux fois, tu m'envoies des textos, t'entends Freddy. Waouh, c'est pas possible ce que tu as déclaré, je l'ai vécu, c'est incroyable. Tu rends grâce à Dieu. Tenez-vous les mains. Tout le monde ne peut pas être contre un mariage. Si Dieu est pour le mariage, qui sera contre le mariage? Père de gloire, toi qui as institué le mariage, je viens te recommander Yves Simon et Déborah en ces instants. Par les paroles libérées, Père, je m'appuie sur ta parole. Je les entoure d'un mur de feu maintenant. Je les couvre du sang de l'agneau. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus, que l'huile, la farine ne manque jamais dans leur maison. Oh Père, tu as dit que tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Et tu nous as demandé de nous multiplier et que nous soyons féconds. Oh Père, tu sais ce qui se passe dans les familles. Je libère la puissance de la fécondité maintenant dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, que la puissance de la multiplication soit leur partage, dans leurs projets, dans leurs finances, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, dans le nom de Jésus. Père, que Déborah soit une aide pour Yves Simon. Oh mon Dieu, je prie chaque fois, il y aura une situation, les tempêtes. Oh Père, qui se réfère à la parole de Dieu, qui nous donne la capacité de s'excuser entre nous, mutuellement, Père. Je t'en supplie, Père. Donne la capacité à Déborah. Donne la force à Déborah. Car une femme, c'est le pilier d'un couple, d'une maison, Seigneur. Donne la force à Yves Simon, Père, afin qu'il soit le pasteur de la maison, afin qu'il soit le chef de la maison. Que l'humilité soit votre partage. Que l'amour de notre Père qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Règne en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'intercède pour ce couple. Je prends à charge, Père, toute situation difficile dans le spirituel. Je prends à charge, Père, leur combat. J'intercède. Je me lève, Père, et je déclare que toute personne dans le spirituel, dans le physique, qui cherchera à nuire ce couple, Père, que les peines de l'esprit les taillent en pièces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il me croise ton serviteur au chemin. Père, merci. Merci pour ce que tu as commencé et tu achèveras dans leur vie. Père, je prie, oh mon Dieu, toi qui as déclaré l'homme travaillera la sueur de son front et mangera la sueur de ses mains. Père, oh, ouvre les écluses du ciel afin que le Seigneur qui trouve un travail digne pour des bons. Ouvre les écluses du ciel et que la bénédiction de l'avant et après pluie descende maintenant sur elle. Je libère maintenant la gloire de Dieu sur vous, que la gloire de Dieu vous poursuive partout, que la gloire de Dieu vous accompagne partout, tous les jours de votre vie. Que la lumière de Dieu vous éclaire afin que toute ténèbre qui vous environne se transforme en midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour toute personne ici présente. Je ne sais pas le problème de qui tout un chacun. Père, ils ont honoré. Tu as dit que le mariage soit honoré de tous, ils sont là. Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de chaque famille, toi qui es le père de toutes les familles de la terre. Je m'appuie sur la prophétie de Timothée qui déclare, dans les derniers temps, Père, il sera difficile. Des moments difficiles.
C'est pour ça que je te recommande les familles, Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, que tu interviennes dans chaque famille et que l'amour, Père, soit notre partage. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont malades. Maladie de sang, de nerfs, quelconque maladie. Toi qui as déclaré par les meurtrissures de notre Seigneur, nous sommes guéris. Je ramène cette guérison au présent maintenant. Je prie que cette personne malade reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos familles dans les hôpitaux, Père, reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, Père, tout ce qui a été donné ici. Ta parole déclare que tout soit sanctifié par la prière et par ta parole. Je sanctifie tout ce que nous allons manger. Je bénis la provenance. Je bénis les mains qui l'ont préparé. Que ça nous fasse du bien, Père. Je prie au nom de Jésus qu'il n'y ait aucun incident, aucun accident pendant toute cette soirée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne tout esprit de haine, j'éloigne tout esprit de dispute, j'éloigne tout esprit de division et je proclame la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que ta parole déclare tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous la verrez s'accomplir. Je m'appuie sur cette parole et je crois fermement à l'accomplissement. Nous avons prié d'un commun accord et ensemble nous disons Amen. 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 Regardez-vous en face, c'est genre de la vérité. Ah. Déborah, aime pas. Yves Simon, aime pas. Face à face, hein. Déborah, aime pas. Je demande combien. Je